Ça, tu as fait tes achats ou tu n'as pas fait tes achats? Ah. Erev Tov, désolé pour le retard. Réunion de parents. C'est pas si je vais t'excuser ou pas, mais ça commence à me fatiguer. Hein? Non, ça commence à bien faire. Et... Ça fallait que tu fatigues. Moi, je suis encore en train de me faire à manger. Je n'ai même pas commencé à manger. Allez. Je vais manger en 2 minutes. Écoute, allez. En fait. Est-ce que vous avez fait vos achats et vos aides et vos casse-têtes de Pessah, ce qu'on appelle casse-tête? Toi, tu ne t'occupes pas de ça, toi. Moi. Zahalik, voilà, c'est Zahalik. Bon, ma femme, elle ne veut pas que je m'occupe de ça. Si je m'occupe de ça. Allez. Voilà, là, le casse-tête. Et que tu continues tes conneries parce que je sais pas où tu es. Serge, je t'apprends quand même de pas parler à quelqu'un pendant une semaine. Ça s'appelle. Mais bien sûr. Et là, c'est avec ta sœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis désolé. On va des cours toute la nuit. On ne dit même pas bon anniversaire à ta sœur. Mais c'est intéressant. Non, mais vraiment, elle a raison. C'est pas la question. Allez. Non, mais, sincèrement, je t'assure, c'est un chat de Pessah-là. Je crois que chaque fois, je commence à penser pour ces achats-là, depuis Pessah, le premier jusqu'à Pessah. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine mais fois? Mais qu'est-ce qu'il a acheté, à part le mais qu'est-ce qu'il a rapport? À part la viande, à part le... Les machins, la viande, les machins, mais tu crois que la viande, les machins, les tvilotes, les kermosim, les légumes, les hamarous, les harous. Oh. Allez, allez. Oui, il va chercher dans les étagères, il va promener chez Rami Lévy, et tout tombe, et tout ne sait pas où c'est, et le café, et le machin, et puis on dirait. Bahir Abbas pendant 8 jours, là. C'est incroyable. Alors, on n'a pas bu du café pendant 8 jours, alors quoi? Ah, il a dit Paro, il a fait souffrir l'âme Israël de son vivant et même après. Hein? Incroyable. Allez, il faut être sa mère, nous, rien. Bien sûr. Allez, je sais que Yoram, tu l'as vu ou pas, Yoram? Non, je ne l'ai pas vu du tout. Tu m'as dit qu'il est venu. Il est occupé, le pauvre. Tu es en train de s'occuper de ma maison. Allez. Très bien. Tani David Zayn et Motrichon vont s'arrêter à la deuxième ligne. À la Rishona, où Omer, Mishiana et Avram, le Poletana, Yesh, Mahalifin, Sakal, Eliaou, Utfila, Ishmoel. Ok. Il y en a qui renversent. Sakal, Eliaou, Shomea, Sakal, ils le disent dans Eliaou, Utfila, Ishmoel, Shomea, Tefila, ils le disent dans Shmoel. Nous, dans la Mishnah, vous prenez dans la Mishnah, vous avez vu qu'au sujet de Shmuel, on a dit Shomea Seata. Au sujet d'Eliyahu, on a fini la bracha par Shomea Tefila. Il y en a qui dit le contraire. Au sujet d'Eliyahu, il dit Shomea Seata et au sujet de Shmuel, Shomea Tefila. Alors continue la Gemara. Bishlama Gabe Shmuel, Ktivbe Tefila, Ktivbe Seata. Et là, Gabe Eliyahu, Tefila, Ktivbe. Au fait, c'est quel passage, s'il te plaît, comme ça. Yudzain. Yudzain, Amoud Rishon. Normal.
Okay. Alors, dit l'Agmara, j'entends pour Shmuel qu'on puisse dire ou l'un ou l'autre, parce qu'il y a écrit et l'un et l'autre. Il y a écrit dans la tfila de Shmuel, il y a écrit tfila et il y a écrit Seaka. Chez lui, c'est écrit tfila et Seaka. On va voir après, on va discuter ça dans quelques instants. Et là, Gabé Elia, mais au sujet de Elia, tfila active, c'est marqué tfila. Alors, vraisemblablement, l'Agmara est en train de comprendre que quand Elia, à Navi, il a dit Anen. Anen, Anen, c'est la chaîne des filles là, comme la chaîne expliquée dans la Mishnah. Anen, oui. L'Agma répond, selon ce Tana là, donc Elia, au fil actif, c'est un calocchif. Anen, Hashem, Anen, Hashem, Anen, il a chanté ça. L'homme Thérèse lui dit, le Tana, ce Tana là, il pense que Anen, Hashem, Anen, c'est un cas. Il faut comprendre de deux manières, ou bien de par le fait que tu as répéter le terme Aneni Hashem Aneni, ouais. Donc c'est un chant de cri de Seaka. Bien peut-être, je peux faire ce chat là, peut-être que le mot Aneni ne veut pas dire la chant de Fila, veut dire plutôt selon ce Tana là, la chant de Seaka. D'accord. Mm-hmm. Wow. Maintenant, regardez Rashi. Rashi nous dit, au sujet de Shmuel, la Gemara nous a dit que c'est écrit Et Fila et Seaka. Alors, venez voir où est-ce que c'est écrit. Dit la Gemara, Seata, Rashi, Seata, Dirti, Voyi, Halishmoel, Waizak, El Hashem, Kol Alayla. C'est bon ça? Alors, d'abord, le Lachon de Shmuel de Tfila, dans le Rashi d'avant, à la fin, c'est marqué au Bishmoel, c'est marqué Shomea Tfila, Dirti, Be, Tfila. C'est marqué là-bas, Sout Kol Israël Mispata, ou Et Palel Baatrem. Donc le mot Tefila, on l'a vu apparaître chez Shmuel. Ça n'a pas, où est-ce que tu l'as vu? Explique Rashi, Voyez Hali Shmuel, Waisak, et Hashem Kol Alayla. Il a écrit Hashem Kol Alayla. Oh, alors la question est de savoir, est-ce que cette histoire-là, elle a eu aussi à Mispa? Oui, qu'elle est Mimar. Alors Rashi nous dit, on peut dire que ça a eu lieu dans Mispa, que Waizak et Hashem Kol Alayla. En fait, vous savez très bien que cette histoire-là de Waizak et Hashem Kol Alayla, c'était plus tard. Pourquoi? C'était un moment où Shmuel, il a pleuré, il a prié à Kadosh Baruch Hu par le fait que Hashem lui a informé que Shaoul n'avait pas tué tous les Amalekim. D'accord. Et là, apprenant cette nouvelle-là, c'est marqué Waizat El Hashem Kol Alayla. Alors dit Rashi, Veika le Memar, Bemispa wa Aïsaka. Je peux te dire que c'était aussi Bemispa. Et Batar Parashat, Kisou Kol Israël, Mispa Taktiv, Parashat Niham Jekim Lart Yetchaoul. Kar Shamati. Waouh, on a entendu Rashi. Rashi dit à Kouri, Jen Kouchia. Le Waizak et Hashem que je trouve chez Shmuel, ouais, il n'est pas écrit dans la paracha de lorsque l'armée Israël était Bamispa. Il est écrit dans la paracha d'après. Et alors? Alors, oh, bah alors c'est pas le Mishéana, le Shmuel, Bamispa. Où il y en a très, Mishma, Bekhosetem, Bayomazé, Bekhotachem, Shomé, Azéata. D'accord, c'est marqué plus tard. Alors, Dirachi, je peux te dire que ça aussi, c'était Bamispa. D'accord, c'est pas écrit là-bas dans quel endroit il a Waizak et Hashem. Je peux te dire, comme c'est suivi, c'est après la paracha de Mispa. Alors, je peux te dire la guerre là-bas. Alors, je peux te dire que c'est aussi à Mispa que ça a eu lieu. Dans le passage, il dit Hashemina, tu fais la Bamispa, il dit carrément Bamispa. Où ça? Dans Shmuel. Dans Shmuel, il y a un paragraphe, il y a un pérec là-bas où il parle lorsque Israël était Bamispa, faisant la guerre contre les Péléchim. Okay, là-bas, okay. C'est marqué wa et palel. Quand se colle Israël, et colle Israël Amispata, wa et palel ba'atrem. Ok. Il y a un passage qui dit wa et palel, tfila. Ok, ok. Il y a un autre passage qui n'est pas dans cette paracha là, qui est dans la paracha de. Oui, Waizak. Là-bas, c'est marqué Waizak. Oui, alors? Mais là-bas, Waizak, c'est pas lié à la paracha de Bamispa.
Bon, mais quand même, Bushmoel, on a vu. Et ça, après, tu fais la monstre. Oui, 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 oui. Mais Rashi, tu vois bien qu'il est en train de pas dire comme toi. Non, Rashi mais... est en train de dire, puisque on a dit juste avant, Mishana, Nishmoel, Bamispa. Ah, ah. Oui, il y en a un. Donc, ouais, Shomer. D'accord. Alors, quand tu as Shomer, c'est Aka. C'est Bamispa alors. Mm. Mais Rachid n'a pas écrit Bamispa. Ce c'est Aka là, ce c'est Aka là. J'ai expliqué, c'est Aka, c'est Aka. Kif, kif. Alors Rachid a répondu comme elle a répondu. Sur ça, Marché, il pose une question énorme, a priori. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Rachid, excuse-moi? Rachid dit, c'est pas grave, c'est écrit après, mais c'est, ça a été aussi dit Bamispa. Ah, 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 c'est ça. Un grand Hédouche. Mm. D'accord. Bon, d'abord, c'est même pas évident ce qu'il dit, Rachid. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Marcel veut me dire, mais il y a un Waïzar dans la paracha là-bas. Waïzar dans la paracha de Shmuel Bamispa. Il y a un Waïzar, Kelachem. Ah! Incroyable. Ouais. Incroyable. Alors, ça. Je te lis, Rashi. Aïm Pirush Rashi, Vehoudahouk, de Minaï Lan ou Loma de Bamispa Ayar. Ach de Waï, Hal Shmuel, Waïzar, etc. Et le paracha, Halé du Chi, Vrehokam, le paracha de Kasuko Israël Mispat. Question numéro 1. On va dire ta réponse, tu l'as inventée. Ouais, mmh. C'est beaucoup plus tard. Qui a dit que ça me passe? Le thème à Mimen, continue Marci. Dea, Beach, Paracha, Goufa, de Kasukoli, Salam, Ispata, Mefourage, Zeata, Shmuel. Waouh! Dirti, voyons, Robéné, Israël, Shmuel, Alte, Halate, Halash, Mimen, ou Misea, Kelachem. Oui, Isaac, Shmuel et Lachem. Après. Incroyable. Incroyable. Incroyable, ça c'est vrai. Hein? Incroyable, hein? Bon, joli couchage de machin. Ok. On continue, la Gmara. À la chichit, ou Omer, Mishana et Yona, Vechoulé, à la chéveïte, ou Omer, Mishana et David. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la Mishnah, on avait dit, je vous fais un vite récapitulatif. Il y a six brachot, après Goël Israël, on insère Zichronot, Shofarot. Ensuite, Zichronot, on parle de Yamsouf, Shofarot, on parle de Yehoshua. Après, il y a le Télim Koufraf, on parle Koufraf. Après, on parlera de Shmuel et on dira Shomea, Seara ou Tefila. Ensuite, il y a le Télim Koufraf Aleph, on parlera de Eliyahu Mishéanal et Eliyahu Béara Carmel. Eliyahu. Ouais. Et ensuite, on parlera, on fera le Télim Kouflam et on parlera de Yona Bimadaga. Et ensuite, on fera le Télim Koufbet et on parlera de David ou Shlomo. D'accord. Et on finira par la Bracha Merahem Alal. Vous vous rappelez. La Gemara va poser la question. Mon internet, il m'a fait des problèmes. Je n'ai pas écouté rien du tout. À partir de... Est-ce que Marsha, il a répondu? Non, il n'a pas répondu. Ah. Il n'a pas... ouais. Il va expliquer comme lui, quoi. C'est tout. Alors, la Gemara pose la question. Et peut-être, comme tu dis, Shlecha, vraiment, peut-être vraiment, ce n'est pas Rashi qu'il est en train de parler, là, c'est vrai. Que Rashi fasse. Ok. Que Rashi fasse une erreur pareille. Après, peut-être une réponse. D'accord. Bon. Ok. Je continue. La Gemara pose la question. Puisque David ou Shlomo était avant l'époque de Yona, comment ça se fait qu'on a parlé de Yona, d'accord, avant David ou Shlomo? Tu as compris la question? Voilà la question de la Gemara. Migde Yona batar David de Shlomo Awam. Maitama Mardim le Berecha. Pourquoi il doit le devancer? Réponse. Mishum Debae. Pourquoi on l'a devancé? Mishum Debae le Mirtam. Merahem Alares. Parce qu'on a besoin de conclure, c'est-à-dire de finir avec les brachot, les six brachot supplémentaires, de finir par Merahem Alares. D'accord, pourquoi? Regardez Rashi.
בסוף כל ברכות, ברוך מרחם על ארץ, ולכי בעי ואותה חתימה דוד ושלמה, שאין פעלו על ארץ ישראל. כך שמעתי. הנה מי, משום דין ותיקון בית המקדש, ג'הו יקר הארץ, כך שמעתי. Alors, la réponse de la Gemara, c'est quoi? La question, c'est pourquoi Yona, il a été cité avant David Shlomo? Réponse, puisque la dernière bracha des Sibrachot, j'ai envie de la finir par Merachem al-Ares, Hachem, que tu sois Merachem sur la terre. Oui? D'accord? Shomea Saka, Shomea Tefila, Tachles, Tachles, comme on dit, oui? Merachem al-Ares. Comme je vais finir par cette baracha-là, j'ai envie de conclure avec cette baracha-là. Mimela, ceux qui sont Shurim, la Ares, c'est qui? David ou Shlomo? David. David ou Shlomo, comme on a déjà vu dans la Mishnah, David ou Shlomo, les deux, ils ont prié pour El Israël, pour le Ra'a, pour la Magifa, expliqué comme vous voulez, comme on a déjà expliqué là-haut. Ça, c'est un premier pirouche. Et deuxième pirouche que la Chine donne, il a mis Mishum de Inutikun Betamirdash. Eux, ils sont préoccupés du Betamirdash. D'accord? Que ça, c'est Ikar Ha'ares. Ikar Ha'ares. D'accord? Comme ça, dit la Chine. Point. Ici, il y a une question que Marsha pose. Il dit, pourquoi la Gemara pose la question Migdei Yona Batal David ou Shlomo? Mais même Eliyahu. Répète, on a parlé de Yehoshua. Dans l'ordre, Yehoshua, Shmuel, Eliyahu et Yona et David ou Shlomo. Mais même Eliyahu, il était après David ou Shlomo. Tu as compris la question? Pourquoi m'a dit, mais dis-moi, Yona, il est après David ou Shlomo? Comment ça, ah, se oui, fait oui. Comment ça se fait que David ou Shlomo, ils sont cités après? Et Marché demande, mais ça c'est vrai, cette question est vraie, même pour. Eliyahu et Shmuel. Shmuel était avant David de Shlomo. Et pour Eliyahu. Non, mais par rapport à Eliyahu ou Shmuel. Est-ce qu'Eliyahu il était avant Shmuel? Non, il était après Shmuel. Ça, c'est bon, l'ordre est bon. Ok, c'est bon, donc. L'ordre est bon. D'accord, Shmuel, c'est lui qui a fait régner David. Oui. Très bien. Ça, c'est la question de Masha. Moi, j'ai pensé répondre. Après, je vais vous dire que ce que lui va dire. Moi, j'ai pensé dire un ami, mais la Gemara, elle a attendu la fin, parce que la réponse, elle va marcher pour les deux. D'accord, on aurait pu la poser. D'accord, mais la réponse qu'on va donner pour Yona, elle va être vraie aussi pour Eliyahu, parce qu'on veut conclure par Melachem Alas. Or, celui qui est lié à la parafa de Melachem Alas, c'est David Shlomo. Voilà ce que moi, je pensais répondre. Maintenant, regardez Marsha, il va être un peu mépalpé, Marsha. Marcha, il va dire premièrement, l'éman d'Amal qui dit Eliyahu Zepinhas. Donc c'est bon. Ouais, Pinhas, il est avant David. Pourquoi mais pas le bel magnifique? Il a fait un petit tour de magie, mais magnifique. Ouais. Ouais, c'est beau. Ok. Alors, maintenant, cette réponse-là, on ne peut pas l'accepter telle qu'elle. D'accord? Bon, toi, tu aimes le pulpo, je suis pour ça. Alors. Cette réponse, on ne peut pas l'accepter telle qu'elle. Pourquoi? Parce que si tu fais comme ça, alors il doit être avant Shmuel. Alors. Or, il était après Shmuel. Tu as dit Shmuel, après tu as dit Eliyahu. Bon, on peut s'arranger. On va s'arranger. On va dire oui, mais c'est quand même pas Eliyahu. C'est quand même pas Pinhas. Ça veut dire je gagne par le fait que je peux le mettre où j'ai envie. Oui, j'avance, je bouge, je peux bouger. Voilà, je peux le bouger, je peux le mettre avant, je peux le mettre après, il y a des raisons comme ça. Donc, voilà le... Bon, il dit, mais c'est comme ça, j'ai répondu que pour celui qui dit que Pinhas Eliyahu, ouais, c'est lui qui dit non, pas comme ça. D'accord. Qui c'est qui dit pas comme ça? Il rapporte, voilà, je vais vous le lire. Il y a un mandama, comme ça, il dit pas le nom, il donne pas de nom. Ah, je vous lis. Elia, on a mis Batal David de Shlomoava. L'autre, il est maïta map d'aimé. Et il n'a pas posé la question. Olman de Amar de Elia au Pinhas. Nih, der d'aimé. Mikame David de Shlomo. C'est bon, nih. Ob achinia de psychalet fila l'Elia. Alors maintenant, Marcha dit avec ça, je veux répondre pourquoi on peut dire tes filias chez Elia. Tfila chez Eliyahu. Il n'y a pas écrit Tfila chez Eliyahu.
On a expliqué, nous, Aneni, cette fille-là, comme ça, Rachid a expliqué. Elle dit, ça, c'est doux, ce que Rachid dit. Alors, comment je réponds, moi? Elle dit, chez Pinhas, j'ai vu la jante fille-là. Ouais, voyez, à mode Pinhas, Waifalel, Matéasara Magefa. Donc, on a vu le mot Waifalel, la jante fille-là. D'accord? J'ai gagné ça. Bon, c'est mes poules, pas là. Mais la chine, il traque les falais, je dis, Aneni, Hachem, Hachma, Alem, la jante. Bakasha ou tfila. Point. Miou. Mais comme un midrashim moucha. C'est là où Kohen Awa. Kemoshikatav ou becholze. Atos ou perek amkabel. Donc, tout ça, il y a un tout ça qui parle de ça. D'accord? Là-bas dans Baba Messia, Daf Koufudale, qui parle sur ça. Quoi? De la Kohen Awa, c'est ça ce qu'il dit? Ouais. C'est-à-dire que Eliaou n'était pas Cohen. Voilà, et Pinhas, lui, il l'est. Mm. C'est-à-dire que tu ne dis pas Pinhas. Alors, bon, Veyesh les Hachev. Alors, Massé continue, il dit Veyesh les Hachev. De Gabé, Eliaou, Nihalé. Tu n'as pas posé de question, tu sais pourquoi? Bien que Eliaou, il était après David de Shlomo. Remez Ramzou. De Eliaou, il y a beaucoup de Mashiach ben David. C'est-à-dire, j'ai dit, c'était Eliaou avant David, pour te dire, Eliaou va venir avant David. Bon, ok. Voilà, là d'accord. Là, je suis d'accord avec toi, c'est pile-poule. Là, c'est joli, oui, c'est pile-poule. Ok. On continue la Gemara. Tana Mishum Somchos. Amr. Baruch Mashpil Harami. Ah, nous, on dit Somchos, hein? Ouais, toi, tu veux, t'as envie qu'on dise Somkos, toi? Non, nous, toujours Somkos. Mais il y a beaucoup de gens qui disent Somkos. J'aime pas. Le Maasé, grammaticalement parlant, on devrait dire Somkos. 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 Comme Talat Amela. Mais Somkos. Bon, je sais pas. Maintenant, parce qu'on l'appelle Somkos, on ne va pas changer. Toi, tu t'appelles Emmanuel, on ne va pas t'appeler Manuela. Aya, alors, Mishum Somkos Amru, Baruch Mashpil Harami. C'est-à-dire, au lieu de faire d'Abraha Baruch Melahem Al-Hares, on finissait par Baruch Mashpil Harami. Explique Rashi, Ayu Omrim Bemakom Baruch Melahem, pourquoi Shi Ichniam Bematar Shisham Mishwa. Grâce à ça, à Kadosh Baruch Hu, les hautains, il les a rabaissés. Maintenant, moi, je crois que selon lui aussi, on comprend pourquoi on doit conclure par David ou Shlomo. Pourquoi? Parce que naturellement, par leur poste, ils sont rames. D'accord? C'est des rois. D'accord? Même le roi devant moi au Kloum, d'accord? C'est la blague qui leur convient le plus. Très bien. Tano Rabanan. Yona, elle était chafal. Yona, pourquoi tu parles de Yona? Parce que on a dit David ou Shlomo et Yona, elle était avant. Au contraire, bien que Yona, elle était après, comme à la fin, la dernière bracha, ça va être Mashpil Harami. Voilà, et la meilleure, les personnes qui leur convient plus cette bracha, c'est ceux qui sont les plus hauts dans la société. Les rois, David ou Shlomo. Mais le roi où ça marche très bien, c'est quand on a vu l'histoire de la femme qui a mangé le fils et son fils avec une autre, et l'autre, elle n'a pas voulu donner. Oh là là. Et lui, il a mis le sac. Lui, celui-là, vraiment, il... Ça t'a plu? Non, c'est, pas du tout, mais ça illustre bien les deux brachot. Les deux brachot, ils sont bien illustrés par lui, pour le roi. Tanoura banane. Donc on a vu dans la Mishnah, Shalosh Taniyot Arishonot, Anche Mishmal Mitanin, Velo Meshlimim, Vechule. On ne revient pas sur cette phrase exactement, on revient plus sur la suite. Tanoura banane. On commence une nouvelle sugya. Penema Amro, Anche Mishmal Mutarim, Mishtot, Yain Belelot, Avalo Bayamim. Pourquoi les Anche Mishmal? Est-ce que vous avez besoin que je réexplique c'est quoi Anche Mishmal, Anche Beta, ou c'est pas la peine? Bon, des gardes, non, mais je suis Anche Mishmal, je ne suis pas les gardes.
Allez, rapidement, il y a 24 mishmarot. À l'époque de Shmuel, il y a 24 mishmarot qui ont été fixés. D'accord, mishmarot Kehuna. Chaque mishmar, il se divise en betav. Rashi est expliqué en 7 betav. On a expliqué déjà qu'il y a une autre marot qui dit 6 betav. Rashi, on ne rentre pas dans les détails maintenant. Et chaque betav, il travaille un jour. D'accord. Donc, le mishmar, il va venir travailler la semaine. Et le betav, il a son jour. Enfin, le mishmar, il est divisé en 7. Et chacun un jour. Et quand il en a besoin d'aide, un betav, il a besoin d'aide. Les anshem mishmar, ils vont l'aider. Parce que c'est eux qui travaillent la semaine. Ils aident aussi ceux qui travaillent la journée, le jour. D'accord. Alors, dit la Lutana, d'accord, est-ce qu'il y a, pourquoi, pardon, l'Anshé Mishmar, ils ont le droit de boire le vin la nuit et pas le jour. Le jour, pourquoi pas? Chez Matirba d'Avoda, l'Anshé Betav, il y a vous, c'est bon là. Voilà. L'Anshé Betav, ils vont avoir beaucoup de travail, beaucoup de colmanot. Et donc, les Anshé... On va faire appel à eux, ils vont être... Le jour, oui, mais la nuit, non. On a déjà expliqué pourquoi la nuit, non. Rashi l'avait dit, parce qu'on sait déjà que la Avoda n'était pas Kveda. Et on a parlé, on a rapporté le Rasha, on a rapporté Rashi, qui avait dit qu'en fait, on n'avait pas besoin de beaucoup de personnes d'effectifs pour renverser la viande, pour, d'accord, pour remettre les viandes qui ont sauté du misbéa. La voda de la nuit, autrement dit, elle est légère. D'accord. C'est pourquoi Anshé Mishmar peut boire la nuit, mais pas le jour. On continue. Et pourquoi Anshé Betav, ni le jour, ni la nuit? La réponse est simple. Parce qu'ils sont continuellement, tout le temps, occupé par la avoda. Comment explique Rashi? Rashi nous a expliqué dans la Mishnah, très simple, le matin, ils travaillent, et le soir, eh bien, ils vont finir le travail, brûler les graisses qu'on doit brûler, d'accord, si on n'a pas tout fini, ramasser ce qui est tombé du misberg pour le brûler, etc. D'accord? Ça, c'est selon Rashi. Donc, le jour, ils n'ont pas le droit de boire, à cause de la avoda du jour. La nuit, ils n'ont pas le droit de boire, à cause de la avoda de la nuit. Cependant, petite parenthèse, sachez que le Rambam n'explique pas comme ça. Le Rambam explique que la raison pourquoi la nuit ne doivent pas boire le betav, le vin, non pas la nuit qui est la suite du jour, mais la nuit qui a précédé le jour. D'accord? C'est-à-dire, si eux, ils doivent travailler, par exemple, on va dire lundi. Donc, ils travaillent lundi matin et lundi soir. D'accord? Dimanche soir, il ne doit pas boire du vin. Et vous savez pourquoi? Ben, dimanche soir, dit le Rambam, il risque de se réveiller, comme ça il dit hein, dans ses mots, regardez dans Biat Mirdash là-bas, il dit « Shema yashkim va'adayim losar yeno » grosso modo ces termes-là. Il va se réveiller le matin, il a encore la tête qui tourne, que le vin ne s'est pas encore bien dissipé. D'accord? Voilà ce qu'explique le Rambam, donc pas comme Rashi. Le Rava sur place là-bas, et il dit à Rambam, c'est pas ça la raison, mais c'est comme, et il cite la même raison que Rashi. D'accord? Alors j'ai vu le Méri, il dit que des mots de l'Akmara, Mikanamu, Kol Kohen, non, que des mots Mipeneshen, Asukin Tamid Baravoda, c'est vachement plus comme Rashi que comme le Rambam. Je ferme la parenthèse. Voilà, maintenant, on remarque de cette introduction de la Braïta, que les Anshé Mishmar, on va leur interdire de boire du vin le jour, car peut-être Tichba d'Avoda, et donc on va faire appel à eux, on aura besoin d'eux. D'accord? Ishum Safer, qu'on t'interdit de boire du vin. Alors, dit l'Agmar, continue le Tana, et il nous dit Mikan Amru, Kol Kohen. Alors, regardez bien, on retient bien les. On va faire trois catégories. Kol Kohen, Shemakir Mishmarato, Mishmaret Betav Shelo. Il connaît sa Mishmara. Et il connaît le Betav. D'accord? Veyodea Shebate Avotav Voim. Et il sait que Bate Avotav, ça veut dire ses ancêtres, dont lui il découle. Ouais. Kvoim Sham.
Ils sont fixes là-bas. Ça veut dire quoi? Ils travaillent dans le Beit HaMikdash. Ils ont travaillé dans le Beit HaMikdash. Qu'est-ce que tu viens exclure? Dis Rashi, deux raisons possibles. Regardez Rashi, que vous voyez. Il y a des Beit HaAvot qui n'ont pas été fixés dans le travail dans le Beit HaMikdash. Un. Shuva Marli Rabbi. Continue Rashi, si c'est Rashi. Hein. Shuva Marli Rabbi. Il y a des bétaves qui ont été expulsés de la Kéouna pour une raison X, Y. D'accord? Donc, quand on dit ici, chez Bate Avota, ça veut dire qu'ils travaillaient dans le Beit HaMikdash. Alors, imaginez-vous, moi, je suis Cohen et je connais de quel Mishmara je viens. Yo, y arrive. Et je sais aussi quel jour. Ouais? De travail, j'ai. Moi, c'est le mardi que je travaille. D'accord? Alors, le mardi, aujourd'hui, le mardi qui correspondrait à la semaine de ma Mishmara, moi, de Yoyarif, par exemple, oui, eh bien, je n'ai pas le droit de boire de vin. Pourquoi? J'ai mis Ibané Betamirdash. Je viens travailler. Et en 30 secondes, il va être Ibané? Ça c'est une preuve contre les sionistes qui disent qu'on va le construire. Ok, mais ça on l'a vu, c'est un Rashi clair, il a rapporté dans Massat Shina. Oui, mais c'est pas que Rashi, c'est-à-dire c'est la Gemara elle-même qui te dit ça. C'est pas un pérouge de Rashi, c'est la Gemara Pshat qui te dit ça. Bon. Ok. Alors. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi, Serge? Attends, juste un mot, si tu ne perds pas le fil, après tu fais ta blague si tu veux. Ouais. Tu as compris que c'était une blague. Première, je te connais par cœur. Première catégorie. Je connais mon Mishmar et je connais mon Beta. Le jour de mon Beta. Ok. Donc, un, il ne doit pas boire ce jour-là. Pourquoi? Quel rapport? De la même manière, en fait, la vérité, c'est que le rapport, a priori, il a l'air d'être quand même lointain, relativement lointain. D'accord? Que le Beit Av, il ait besoin, il ait recours à la Mishmara, ça, c'est beaucoup plus probable que le Beit HaMikdash n'est pas là depuis des années. Et hop, ça dit, il va venir maintenant. Bon, c'est moins probable. D'accord, vraisemblablement. On verra après, par la suite, la Bible émet sa pensée comme ça. Je continue. Deuxième catégorie, Makir, comme ça il faut dire, Makir Mishmarto, Wen Makir Mishmeret Betav Shelo. Il sait de quel Mishmara il est, mais il ne sait pas quel jour il travaille dans la semaine. Ouais. Oh, comment on va faire pour toi? Toute la semaine, tu ne bois pas le vin. Toute la semaine. Veyodea Shebate Avota Ukvorim Sham, ça toujours on le dira. Il sait que son Beit Av, il est kavua là-bas. D'accord? Asur lishtot yain kol ota Shabbat. Tout le Shabbat, tu ne dois pas boire du vin. Pourquoi? Peut-être que je peux venir. Et peut-être c'est aujourd'hui que tu dois travailler. Ah, si c'est aujourd'hui que tu dois travailler? Comment ça veut dire que tu bois du vin? Tu ne peux pas travailler, tu n'as pas la tête pour travailler là. Très bien. Troisième et dernière catégorie. En omakir mishmarto. O mishmaret bet av shelo. Il sait qu'il est Kohen. Et il sait que. Mais il ne sait pas quel mishmara. Donc, pas quel bet av non plus. Ouais. Il ne voit jamais le bas. Et lui, asur lishtotiaim kol hashana. Le olam. Oui, toute l'année. Cela, c'est tout à fait normal parce que s'il ne connaît pas son mishmar, etc., s'il continue à boire des machlettes. Ok. Eh bien, c'est bon. Ça, c'est un akama. Qu'est-ce qu'on fait? On continue encore juste, on finit à la bière, après on dit. Abi Omer. Omer Annie. Moi, je pense. Assur l'ishtot yain le olam. On dirait qu'il pense comme Tanakama, qui revient que sur la troisième catégorie. Non, dit Rashi. Il revient sur toutes les catégories.
Il revient sur toutes les, même la catégorie numéro 1. Il sait c'est quoi le jour, il sait quel Mishmara il est. Et quand même, à Solishtotiaïnaola. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Une seconde, on va voir Rachid dans une seconde. Avalma et Ainsé, chez Takanato Kalkalato. Mais que puis-je faire? Car sa Takana, c'est sa Kalkala. Ou bien, sa Kalkala, c'est sa Takana. Quoi? Je finis après, on explique un peu tout ça. Amar Abaye Mikan, Chatou Aïda Kahane, Hamra, à partir. Keman, comme qui on boit aujourd'hui du vin, les Kohanim ils boivent du vin aujourd'hui, comme qui? Comme Rabbi. Quoi? Alors, on n'a pas bien compris Rabbi. D'accord? On n'a pas bien compris Rabbi. Alors, venez, je vais d'abord expliquer Rabbi, après, je vais revenir sur un Rashi un peu là-haut, dans laquelle Marsha, il a dit que Dvarao Megum Gamim, ou quelque chose comme ça. Rashi, Rabbi Omer, Omer Ani Kohen Asubhule, Klomar. Si on venait à craindre, peut-être le bête va être construit, alors on devrait interdire toutes les catégories, tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire que Rabbi, il n'est pas Hoshesh, le Hoshash de Shimei Ibane. Alors vous allez me dire, mais vous vous rappelez, dans Maser Tosh Shana, là-bas, à la fin, on a vu que. On est recherche, peut-être le bétamodage va être construit. Ouais, et on va faire le rhum, on ne va pas faire le rhum un peu tardivement, etc. Et les gens, ils vont manger. On a interdit tout le 16 Nissan, d'accord? Parce que les gens, ils vont manger, parce que Minadine, ils peuvent manger à la début de la journée. Mais quand il y a le bétamodage, alors, ils vont approcher avant Hassot, et donc on peut manger du Hadash qu'après Hassot. D'accord? Et ils vont manger déjà dès le matin tôt. Pourquoi? On a interdit, et donc on a pris comme un des drachim de la Gemara là-bas, c'est qu'on a interdit toute la journée du 16. D'accord? Et pourquoi? Pour Shemei Ibn Ebet Amadash, comme on a dit. Donc, on a fait une gzera à cause de Shemei Ibn Ebet Amadash. Alors, il faudra dire que ce malheur de la Gemara là-bas ne suis pas Rabbi, je suis Hachami. D'accord? Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je reviens chez nous, chez Rashi. Afilu amakir mishmarto, o mishmel betav, betavotav. Même celui qui connaît sa mishmara et connaît betav, interdit les olam. Pourquoi? De haishinan shema ishtene sudel mishmara. Car peut-être. Le Seder Mishmarot qui va être différent de ce qu'il a été à l'époque. Ou encore, dit Rashi, le Shemeyav de Kulam, la Hanukkah Tabay de Vatarat, pour l'inauguration du Beth Amidash, tout le monde travaille. Toutes Mishmarot confondues. Benim Sazé, Sadik la Avot, et donc celui-là, il doit travailler. Avalma et Ainsé, Shetakanato Kalkalato. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, autrement dit, je ne crains pas. Je ne crains pas que le bétamodage se conclue. Pourquoi? Ça fait combien d'années que le bétamodage n'a pas été reconstruit? Ça s'appelle la pilkoul, ça. Selon Rashi, c'est ça le derech. Hein? Il y a d'autres darachim. Il y a Rabbeinu Hananel. Il y a Marsha, il va proposer une idée. Le Rambam dit le Rashash, c'est la même idée que Marsha. Le rachat qu'il lui va proposer. Non, juste on fait rachat pour le moment. Et quelqu'un a zot à kanato, le shtot yain bed, ou le shemei ibane lo haishinan. C'est bon? Voilà le derer de rachat. Solo rachat, Rabbi, il autorise à tout le monde de boire. Tout le monde, tous les Kohanim peuvent boire. Comme il conclut à payer, comme qui aujourd'hui peut voir à Chatouaïd na Kahane Hamra, Kerabi. C'est bon? Très bien. Maintenant. Il autorise à tout le monde de boire. Tout le monde. Comme la page des mots d'Abayaga. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors juste rappelez-moi, parce que je risque pas d'oublier. Juste, il ne faut pas oublier qu'il était viticulteur. Ça a lâché, tu parles? Ouais.
Et alors, ma c'est quelque chose. Eh ben, qu'est-ce qu'on va boire du vin? Et donc, il dit, buvez du vin. C'est bon pour vous. OK. Alors maintenant, rappelez-moi juste qu'il y a Rashi à Solishtotien Koloto Ayom. D'accord? Bon, allez, venez, on fait maintenant, rien. On va faire à l'envers. Maintenant qu'on a fait le dehors de la Chine, on a compris le dehors de la Chine, on fera après Rabbeinu Hananel et Marsha. Bon, je reprends d'abord la Chine. De quel cas on parle ici? De qui on parle? Celui qui connaît son Mishmar et qui connaît tout. Beta, hello. Ok. Asulishtotien kolotoyom. Vetulo et pas plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de jours interdits. Chez Mei Bané Betamirdash, de peur que le Betamirdash soit reconstruit, Vetichba d'Avoda, et l'Avoda soit lourde, Veyezé Salih l'Avoda, et celui-là il doit travailler. Marcel dit c'est quoi Tichba d'Avoda? En plus de son Mishmar. C'est quoi Tichba d'Avoda? C'est pas comme ça qu'il faut parler. C'est Minadin, celui-là il doit travailler. C'est son bêta. Ouais, voilà le couché de Marsha. Ah, Marsha a dit les mots, tu vas d'Avoda. Mais Gumga, regardez dans les mots. Tu vas d'Avoda ou mais Gumga, de l'Oshaya, chez mes tirba d'Avoda et la ben chez Mishmar. Aval ben chez bêta, chez Yom Zé, Midina, Sourin, au ben Bayom, au ben Balaïla. C'est bon, la question de Marsha, elle est claire. Non, attends. À un moment donné, on a dit, tu sais pourquoi le Mishmar, il ne faut pas qu'elle boive, parce qu'on a peur que le Hav, je ne sais pas, il aura beaucoup de travail, il va faire appel à celui de Mishmar. On a dit ça, non? Oui. Parce que dans la journée, il a beaucoup de travail. Voilà de ça, oui. Et voilà, on a dit, il a beaucoup de travail, Tichman, parce que peut-être qu'il a beaucoup de travail. Voilà quel est le problème. Quand Marche, elle a dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je recommence. Écoute depuis le début. On regarde aussi sur quoi il revient. Asso l'ishtotien kolotoyom. De qui on parle? Oui, celui qui connaît son Mishmar. Pas que. Il connaît son Mishmar et son Betab. OK. Donc lui, il sait. Mardi, il n'y a que le mardi. Son Mishmar, c'est que les mardis qu'il travaille. S'il vient travailler. Pour sa semaine, c'est que le mardi. Okay. Alors, il n'y a que le mardi qui est interdit. Ok. C'est clair. Alors, ça, Rashi dit, pourquoi, Kurisa Kavana, peut-être Ibane Betemirdash me tirba d'Avoda. Mais attends, quel tirba d'Avoda? Tirba d'Avoda, c'est par rapport au Anshé Mishmar. Oui. Moi, je te parle de celui, le Betav, je te parle du Betav lui-même. D'accord? Moi, j'appartiens à ce Betav-là. Eh bien, oui. Ce Betav-là, mardi, il travaille. D'accord? Donc, ce n'est pas Tichba d'Avoda. C'est parce que c'est son jour de travail. Uh-huh. Ça, c'est la prochaine marche. Sur ça, Mara Branchburg, Agaot Mara Branchburg, il dit non, tu n'as pas compris, Rashi. Ce n'est pas ça la Kawana de Rashi. Il dit, mais là, il n'y aura pas de Tachouchia. De quoi il parle, Rashi? Regardez Mara Branchburg, Pirouche. Regardez là, vous voyez, Mara Branchburg, mais tout là, chez Mestia, Pirouche, tout là. Il n'y a plus à interdire peut-être qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire Rashi, il a un autre problème. Marab Landrog dit la Kavana de Rashi, c'est un autre problème. Pourquoi je t'interdis que ce jour-là et pas le reste de la semaine? Shimei Tirba d'Avoda. D'accord? Pour ça, il dit non. Il n'y a que ce jour-là qui est interdit et pas plus. Vous voyez? Mais tout l'eau n'est pas plus. Et on ne va pas craindre aussi Shimei Tirba d'Avoda. Et donc, même mercredi, non. Même jeudi, non. Même lundi, non. Même dimanche, non. Toute la semaine, non. C'est trop loin. Juste le jour mardi, je t'interdis.
et pas la semaine. D'accord ? Voilà la Kavana d'Hashim. ולא חשינה נתן, ולפיכך עשו רק אותו יום לחוד, ולא קשים ידי חושת מרשה ודו, שוב ראיתי כן בתיח יסחק. אוקיי. מי הלך תרבד העבודה, כמו אני אקספיקי? עשה תרבד העבודה. תרבד העבודה, celui qui connaît sa משמרה, et son בית אב, pourquoi tu veux l'interdire mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi? Pourquoi tu veux l'interdire? Ah, moi, je ne veux pas l'interdire. Moi, je veux interdire le jour. Toi, tu envisagerais de l'interdire. Shemé Tichba Da'avoda. Et on a besoin de lui. C'est clair? C'est clair ou pas? Le bêta, oui. Travaille mardi. Il peut travailler aussi dimanche, lundi. Si on a besoin de lui. S'ils sont submergés. Oui, mais celui-là, par exemple, il a le droit de boire la nuit. Oui, mais et là, on parle de quelqu'un qui a le droit de boire le jour, nuit. Jour. Le jour, elle va le jour. Pourquoi tu ne l'interdis pas le jour? Rachid répond. Il dit, on ne craint pas jusque-là, que le jour même. Mais on ne va pas jusqu'à craindre même la semaine, le jour. OK? Voilà comment Mara Blanchebourg, il explique. Maintenant, les mots, Tirba d'Avoda de Rachid, rentrent bien. C'est clair? Alors, le Rachash, il répond à la kushia de Mara Blanchebourg. C'est-à-dire à la question de Rashi selon Mara Blanchebourg. Et donc, ça veut dire qu'on dirait qu'il n'a pas compris que comme ça, Rashi, Bémet, il n'a pas compris Rashi comme Mara Blanchebourg. Il dit, tu sais pourquoi on n'est pas recherche l'idée de Tirba d'Avoda, dit le Rashash. Tu sais pourquoi on n'est pas recherche? Parce que, pourquoi Tirba d'Avoda? Il y a beaucoup de Korban Yahid. Les korban yachid, on ne peut pas les faire. Parce qu'on est tmeim. On est tmeim, il faut qu'on se purifie. Et il faut donc faire paradouma. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est impur? Uniquement korbanot sibour. Les korbanot sibour, il n'y a pas tirba d'avoda sur ça. Donc il n'y a pas la kushia de shimet tirba d'avoda. Vous comprenez? Voilà la réponse. Dieu la cherche. Et Paradouma, elle va arriver avant le Beth Amikdash ou après le Beth Amikdash? Normalement, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Parce que justement, ça aiderait Maran Rochebourg. De toutes les manières, comme on verra tout à l'heure, plus tard qui va dire ça. Mais de toutes les manières. De toutes les manières, on ne peut faire dans le Beth Amikdash l'Avoda, Betum'a, que Korban Sibour. S'il n'y a pas de Paradouma, bah, tant pis, on ne pourra pas faire Korban Yahid encore dans l'Oumpa. D'accord, d'accord, mais il y aura Paradouma. Il y aura Paradouma. Et on va donc se purifier. Et chacun va devoir apporter tellement de corbanotes par rapport à tout ce qu'il doit, etc. Ah, c'est pas grave, mais ça, on a déjà le temps de dissiper le vin. Nous, le problème, c'est le Bethébrech arrive, il faut qu'on travaille. Mais quel travail? Il n'y aura pas de korban yahid de toutes les manières. Une semaine, c'est sûr qu'il n'y a pas de korban yahid. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, voilà la réponse de Rachash. Très bien. Maintenant, Rachid après, regardez Rachid après. ואינו יודע מאיזה בית אב, דעכשיו אינו מכיר באיזה יום בשבת עובדים. Là, on ne sait pas quel jour on travaille. Il sait que c'est dans telle semaine, mais il ne sait pas quel jour de cette semaine-là. ויודע שבתי אבותיו גרועים, אסור כל אותה שבת מספקה. Continue la Chine. בכולו גרסינן ויודע שבתי אבותיו גרועים. אין. דאם אינו יודע שבתי אבותיו גרועים, לעבוד, מותר הוא לשתות שיין כל השנה. Rachid nous dit, sachez que dans toute la Braïta, on doit toujours dire qu'il sait que ses ancêtres travaillaient dans le Beth Amikdash. Parce que si ce n'est pas le cas, il a le droit de boire, il n'y a pas de problème. Tu me dis, mais pourquoi il a le droit de boire? Il y a un safek. Peut-être ses ancêtres, ils travaillent dans le Beth Amikdash. Et Rachid dit, oh, ça fait beaucoup là. Peut-être le Beth Amikdash qui va se reconstruire. Peut-être c'est son Beth Av aujourd'hui. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ça, je ne suis pas recherche. Explique. Voilà, tout de suite, je me suis commencé à poser des questions. Sachez, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que c'est un sphère. Eh bien, alors, même celui qui ne connaît pas la semaine,
Oui, il ne connaît pas. Il connaît la semaine, mais il ne connaît pas le jour. Ça ne se pas. Peut-être le Beit HaMikdash, il va être reconstruit, peut-être oui, peut-être non. Et même à la salle qui a construit, peut-être c'est pas aujourd'hui. Son Beit HaMikdash, c'est demain, c'est après-demain. Bon, alors je me suis dit, bon, on va répondre. C'est pas la même chose. Dans mon Beit HaMikdash, il ne faut pas considérer comme un safek. C'est sûr qu'il a travaillé, juste j'ai un safek ce jour-là ou ce jour-là. Voilà. Ce jour-là. Là-bas, c'est Bichlal, je ne sais même pas si tu dois travailler. Je ne sais même pas si tu dois travailler. Peut-être qu'ils ne sont même pas Kvorim, t'es Kohanim, toi. Ouais, tes ancêtres. D'accord. Bon, alors je me suis dit, mais là, la Shéla que maintenant je me pose, est-ce que dans les dynimes de ce cas, le Hilouk que je viens de faire, il rentre en compte ou bien c'est propre à notre bien. D'accord. Il faut chercher. On voit plein de circonstances qu'on les fait de cette manière-là. Hein. Bon, alors il faut chercher. C'est bien, ça c'est... Non, le chidou, c'est qu'il faut enlever le safek de Beit HaMikdash. Beit HaMikdash va d'ailleurs, chaque jour on se réveille, il va se construire ce jour-là. Non, on dit chez mes Libanais, pourquoi ? Mais la non, non, c'est un vadaï, c'est un vadaï. C'est ça la émouna qu'on doit avoir de Binyan Beit HaMikdash. C'est tous les jours, peut-être aujourd'hui. Après, tu as les autres sfekot. Tu as des sfekot. Tu es Cohen, tu n'es pas Cohen, tu es de semi-shmar, tu n'es pas de semi-shmar, tout ce que tu veux. Mais tu enlèves, ça fait que le Beit HaMikdash va être construit, ça c'est vadaï. Alors, regardez Rabbeinu Hananel. Bon, maintenant, on a fait quoi, là? On a fait la souvia selon Rashi. Maintenant, regardez Rabbeinu Hananel dans l'explication des paroles de Rabbi. Rabbeinu Hananel, il dit, regardez dans les mots, c'est mieux. Rabbi Omer, Omer Ani, Kigon, Zé, Asu, Lishtotia, Inneola. Vous voyez, dans les mots, déjà, Bichlal, il commence différemment. Il dit, Kigon, Zé. Il y a trois catégories. Et Rabbeinu Hananel dit, dans Rabbi, Omer Ani, Kigon, Zé, Asu, Lishtotia, Inneola. Ukdiamru, Rabbanan, Aval, Takanato, d'accord, Kalkalato. Zé Ashmoa Kula Besanedin Besov Perek Kohen Gadol. Pirouche. Kiwan Chinit Kalkel Bevet Av Shelo, puisqu'il ne sait pas dans quel Beit Av il est, Outar, donc selon Rabbi Nochal, le Kilkul, ce n'est pas le Beit Avdash n'a pas été construit. C'est il ne sait plus, ça c'est un kilkoul, il ne sait plus d'où tu viens. C'est un filou, il m'y bané à bail, et non, mais jamais, si le chef Bedin, chef Kéouna, il ne pourra pas tout de suite se faire le service jusqu'à ce que le Bedin, chef Kéouna, il s'assoit, ouais, et il détermine de quel bétaf tu es. Oui, que verrou, bézé yom, il chamèche. Le fichar, archav moutar. וכן כל כהן שאינו בעל עבודה ביום ידוע מותר. D'accord? Donc selon Rabbeinu Hananel, si tu sais quel est le jour de Beit Av, quel Mishmara et quel Beit Av, ouais, l'habit ne revient pas sur toi. D'accord? Tu sais, leur lame c'est interdit Gamayom. T'as Kanato ou Kalkalato, c'est même pour lui aussi, c'est valable pour lui aussi. Non? Non, non, Kalkalato, je ne vais pas te le coule, moi je connais tout. Moi je connais tout. Donc, mais non, ma Kalkala, c'est que le Beit HaMikdash, il n'est pas construit. C'est pas comme Rashi, Dishma. Ça c'est Rashi. Lui dit que ce n'est pas ça la Kalkala. La Kalkala, c'est ta Iyedia. C'est le fait que tu ne connaisses pas d'où tu viens. Ah, si je connais d'où je viens, ben alors l'homme s'interdit. Continue Rabbeinu Hananel. Il dit, alors que Rashi, pour lui, cette phrase-là, elle est ouverte, tout le monde est concerné. C'est la Mashmahout de la Souvia, mais. Oui, selon Rabbeinu Hananel, quoi, Keman, celui qui connaît, ne doit pas boire. Parce qu'ils ne connaissent pas les gens. Tu vois bien, on dirait, tout le monde boit. En fait, Rabbeinu Hananel, pas tout le monde boit, c'est pas vrai. Pas tout le monde boit. Rabbi Miklal de Rabbanan Savre.
Ishmatayu, Vabayu. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Rabbeinu Hanel. Rabbeinu Hanel, il dit que Abaye a dit comme qui aujourd'hui les gens ils boivent, les Kohanim ils boivent le vin, comme Rabbi. Il faudra dire selon lui que la Kavana, c'est le Kohanim qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ils sont. D'accord ? C'est-à-dire ils savent pas, ils connaissent pas Bet Av Mishmala. Il fait une guirsa là quand même. Hein. Pourquoi il fait une comme ça ? Il fait une Orkimta. A priori, quand tu regardes le pshat de la. Une Orkimta, tu vois. Une Orkimta. C'est ce que tu veux dire. Une Orkimta. Juste. Mais Klal de la banane, c'est vrai. Que je m'attaille ou abaye de Okoen, mi bene Aeli, lo awa sheti hamra. Abaye lui-même, il rapporte une mémoire de Mazak Kubot, d'accord, qui dit que là-bas, abaye, on voit de là-bas qu'abaye ne prenait pas de vin. D'accord, comme les hachamim de la vie. C'est bizarre ça. Ouais. Non, mais c'est très bizarre ce que tu dis. C'est pas moi qui dis. Pourquoi tu me mets des choses sur moi? Mais parce que celui qui dit ça, Abaye, je crois qu'il est mort avant Abba, non? Et Amarava, l'Edbitao et Abaye, Yadan Abbe Ben Ahmani, Delo Awa Shati Hamra. Oui, mais alors, parce que la femme de Abaye, alors je sais pas, le premier qui est mort, il a été voir l'autre, sa femme, elle a été voir l'autre en lui disant, il me donnait du vin, les héritiers ne veulent pas me donner. Alors, donc, ça veut dire quoi? Il donnait du vin à sa femme et lui buvait pas. Mais alors, non, d'accord, mais a priori, on comprend qu'il buvait du vin avec sa femme. Alors quoi, sa femme, elle travaille dans le Bédamirdash? Mais non, c'est pas la question. Ah, c'est d'où la raison que... pourquoi Abaye il ne prenait pas, c'est parce qu'il... D'accord, non, mais ça veut dire que si tu dis qu'il ne prenait pas, par rapport à cet autre renseignement qu'on a vu, ça veut dire qu'il donne du vin à sa femme et lui boit pas. Ouais, ouais, Maïesh. Non, c'est juste bizarre, quoi. C'est... Ok, très bien. La prochaine fois que je réétudierai cette sugya, je rajouterai cette idée que tu as donnée, que lui, il ne buvait pas, mais il donnait à sa femme. Maintenant, on fait la même Marsha. Marsha, dans Chidushé Agadot, il rapporte Rabbi Amar, première année, etc. Puis, il s'agit d'un fil à maquille Mishmarto, Shimei Ishtane Mishmarot, Aval, etc. Takanato Kalkalato, etc. Vehu Doha, Dekar Tamo Hasem Minasef. C'est-à-dire, lui, il dit finalement, selon Rashi, on ne craint pas que le Beit HaMikdash va être reconstruit. C'est son délire à lui. Hein. D'accord. Il dit ça, c'est Ikar Hasem Minasef. Bon. Veloulé Pirusho, dis-moi, Marsha dit, sans le Pirusho Rashi, je propose autre chose. Nira de l'Opalig, Ella Bedelo Makir Klal. C'est-à-dire, selon Marsha, ça revient sur la dernière phrase. V'achikam, shetakanato lehatir lishtot lo yayin ou kalkalato shet lo yada ou makir mishmarato betav shet lo klal. Le fait qu'ils ne connaissent rien, ni betav, ni mishmara, c'est ça la raison pourquoi on va l'autoriser à boire. V'eshime eno kohen klal. Pourquoi? Pourquoi c'est la raison qui va le donner à boire? Parce que peut-être, alors, c'est même pas un Kohen. Il y a acheté le Shemé ou Kohen, le Shemé Ibané. Peut-être c'est un Kohen et peut-être il va se reconstruire. L'Ohashina, ah, ça fait trop ça. Aval de Makir, et s'il connaît quelque chose, sa Mishmara par exemple, alors c'est un Kohen. Alors, dans ce cas-là, non. Le Shemé Ibané, Aval de Makir, Hashina, le Shemé Ibané. Alors, on craint chez Meibani. Mais comme celui-là, il ne connaît même pas sa Mishmara, ni le Beta, alors c'est tout aussi Bukhlal, qui n'est même pas un Kohen. Ouais. Et donc, chez Me, c'est un Kohen. Et chez Me, il va se reconstruire. Ça, non. Voilà comment Marsha, il explique. Pas comme Rabbeinu Hananel. Pas comme, a priori, Rabbeinu Hananel. Sur ça, Rachash, il faut bien voir entre les deux, sur ça, Rachash, il dit que Iqar Pirush Elcha Marchand, oui, il est écrit dans le Rambam. Tu ne l'as pas vu. D'accord. Dans une seconde, je le cherche. Il dit comme ça. Il rapporte son Pirush,
Il dit, Bekar Piroshon et Alam, Imenu Shekvar, Kudmo Arambam, Beperek Alef, Milchot, Biat Mirtaj, Alakazain Ainsha. Mais ce qui lui l'a écrit, Marsha, les Tamas, Shime, Enokoen, Lomehouar. Non, non, ça, c'est pas bon, ça. Et Amaïri Biodea, Shebet Avkouvoin, Sham. C'est une grande question, a priori. Le fait que ça, c'est le Fanen, ou Gersat Rachid. Arrête, si Marsha est rigoureuse comme Rachid, dans les trois babotes, on a toujours dit que Yodéa s'est batté à Votav Mouaïm. Non, s'est batté à Votav Mouaïm, c'est sûr qu'il est Cohen. Si tu es accroché chez Mal et le Cohen, grande Kouchia. En fait, c'est le Kouchia contre le Rambam. Non, le Rambam, il explique autrement la raison. Voilà, Bam Sham Katav, Tamahir. D'accord. Obekesef Mishneh, bon, je saute ça. Venir, et maintenant, Rachesh, dis-moi, je vous dis mon idée à moi. Venir à l'effarech al derech amarsha de rabbi lo kayerat al mish eno yodea shibate avota gvoim sham. Rabbi, là il va faire un petit forcing. Il ne revient que sur lo kayerat al mish eno yodea shibate avota gvoim sham. Ce cas-là, il n'est pas écrit. Mais ça veut dire, en fait, le Tana, il a parlé de trois cas. Et tous, ils sont battés à voter pour voir Imcham. Et Rabbi, il parle d'un quatrième cas. Si battés à voter alors pour voir Imcham. Il n'a pas besoin de parler, Rabbi. Hein? Il n'a pas besoin de parler, Rabbi. Attends une seconde. Là, ça va comme marche. Et en fait, Rabbi, pourquoi tu prends ce cas alors que Tanakama, il n'a pas parlé de ça? Voilà. Non, depuis le début, c'est Rabbi qui parle. Attends, ça veut dire que le Tana qui a parlé depuis le début, c'est Rabbi. Ouais. Les trois premières opinions, c'est Rabbi. Et après, Rabbi dit que c'est lui et il donne une quatrième opinion. Il donne une quatrième catégorie. Il parle d'une quatrième catégorie. Oui, une quatrième catégorie, tu as raison. Qui a gavé dans mes falaches à ça, c'est des camels de Komot. Mais la reine a tichapé le machin d'ailleurs que le Kaman m'a abayé et m'a clair de la banane. Asre, le l'homme a été mis le choix de Braïta, le Hadja, le Rachid, le Tchabez. Répète. Alors, Marsha, il dit la fin de toute la braïta, c'est Rabbi, c'est pas Rabbanan. Et parfois, on dit Verabi ou Verabi Udaï, Bahasur Mersala, Verhi Khadane. D'accord. Bon, là, c'est dur, elle l'a pas fait de toutes les manières. Alors, c'est difficile. Bon, il y a, à part ce Dohakla, il dit en fait, tout c'est Rabbi, maintenant je peux faire marcher le derrière de Marsha bien comme il faut. D'accord. Il dit avec ça, je vais gagner autre chose. Je vais gagner en bas de l'Agmara. Ouais. À un moment, l'Agmara, elle veut dire quelque chose. Et on ne va pas comprendre pourquoi l'Agmara, elle a fait un diouk au lieu de rapporter clairement les paroles. Il y a des paroles claires et l'Agmara, elle a préféré faire un diouk. Ouais. On verra ça en fin du Hamoud. On va voir. Elle dit, dis-moi le rachat selon mon pirouche, ça marche très bien. Parce que je ne peux pas apprendre à partir de ce qui est écrit clair, parce que ce qui est écrit clair, c'est aussi Rabbi qui parle. Or, moi, je vais t'apporter ce que pense Hachamim. T'as compris? On verra ça. Je vais vous dire à quel moment ça va intervenir, ce que Rachash dit. Voilà le derrière de Rachash. C'est bon? Oh, Hachem. Allez, on continue. Dis la Gemara. Monsieur Clignotant, comment il va? Ça y est? Qui clignotant? Où il en est? Amos, où tu en es? Moi, je suis en train de t'écouter et je sais que tu as été très touché par les questions de vin, Rabbi, Abayé, etc. Je suis très touché. Dès qu'il y a du vin, moi, je suis très touché. Ouais. Allez, on avance. Alors, j'ai parlé avec Nathanel tout à l'heure. Je lui ai dit, comment il va, Rabbi Hayim? Il m'a dit, il va très bien. Il m'a dit, il est plein dans la sougia de Bessa d'Avzaïn. Ah oui, oui, non, c'est sûr. Bien, bien, bien. Et pas simplement, il refait comme avant. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je l'avais vu, il m'a dit avant, je sortais, je prenais une cigarette, même à 3 heures du matin, je me réveillais, j'allais marcher dans la rue et je pensais à mon... Et là, il me dit, c'est fini. Et là, on dirait qu'il revient à réussir à penser et à repenser. Ouais, il arrive. Bon,
Sans cigarette, avec cigarette. Avec cigarette, avec cigarette. Oh là. Mais il ne sort pas dehors. Non, non, là, il ne sort plus du tout, là, Mesquine. Ah, tu sais que j'étais au mariage, il y avait Jacques, son taxi, et il y avait un beau-frère à toi. Il m'a dit, tu lui dis Tataouine. Un beau-frère à moi, ouais, d'accord, je sais. le fils de Ynon Mazouz. Exactement. Le fils de Ynon Mazouz, c'est un beau-frère à toi. Comment c'est un beau-frère? Nos femmes, elles sont sœurs. Ah, l'autre Ynon Mazouz, il avait un fils qui s'appelle Asher, non? Asher, son jumeau. Ah. Asher et dernier. Ok, on continue la Gemara. Anshe Mishmar, il n'y a pas de Tosfot là? Allez, Tosfot, tu veux dire, je vais te 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 dire, c'est bon, non? Très bien, très très bien. Jusqu'à présent, ça dépend qui, vraiment, ça dépend qui. On parle du vin hors Seouda. Dans la Seouda, ouais. Le vin, il n'est pas méchaker. C'est un Yerushalmi. Non, mais c'est Repsahim. À la fin, d'accord, à la fin là-bas. Très bien. On continue la Gemara. Anshe Mishmar, Anshe Mamad, Asurim, il s'appelle Khabez Bahamishi, ou Bahamishi Mutarim, Pneg Voda Shabbat. Anshe Mamad. Voilà. Anshe Mishmar nous a expliqué. Anshe Mamad, on réexplique rapidement, ce sont ceux qui doivent se tenir face au Korban étant les Shlouhim de tout l'âme Israël, on doit se tenir devant notre Korban dans les Korban Tzibour. Alors, eux, on a dit que quand ils viennent dimanche et mardi matin, ouais, ils ne doivent pas se couper les cheveux, ils n'ont pas le droit, sauf ni se laver, vêtements, sauf jeudi. D'accord? Pour l'honneur de Shabbat. Pourquoi? Demande-moi pourquoi? Sur l'interdiction. Hein. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כדי שיכנס, יכנסו למשמרתם, כשאין מנוולים, או כי נראות חפה, דן, לור סמן דו תחווי, אנחנו גימי, ואין, ודו פרזנס, לור סקיסון, לי, דקור, דו שבו, ביתמון פאפ חופ, נא, הוא נפורי פא לופר איסי, הוא יבוא דבר לופר אבון דריבי, ודו קטיבור וניר, יבוא את קלין, דקור, Pourquoi on dit jeudi, pas vendredi? On a déjà expliqué, Rachid, dans la Mishnah, il a expliqué déjà, vendredi, on n'a pas le temps. On a l'habitude de faire ça jeudi. Le préparatif de Shabbat. On avait rapporté le Guillaume Hachat, qui a dit, tu as vu qu'on peut se couper les cheveux et qu'on peut se couper les ongles jeudi, de la Gemara, on voit là-bas, comme Rachid a dit. Mm. Et on ne dit pas que, ah non, ce n'est pas que votre Shabbat, ça va repousser pendant Shabbat. La Gemara, là-bas, tu vois que ce n'est pas comme ça. D'accord, tu peux, mais vendredi, si tu as le temps, tu peux, quelqu'un ne travaille pas. Mais Kohen Gadol, comme on verra par la suite, tu faisais du vendredi au vendredi. Mais, c'est un ou la banane. Mais l'air mistapé. Ah, pardon, il y a un autre spot. Ça. Alors, Bahamishi Moutalim, Plegwada Shabbat, Maïta, Mapirush, Maïta, Maïna, Kohani Moutalim, les mistapé. C'est-à-dire, ça vient sur l'interdit, pas l'autorisation. Maïta, Ma. אין הכהנים מותר להסתפר אל הדוח בחמישי בשבת כדי שלא יכנסו למשמרתם כשהם מנוולים פירוש ולא ימתינו עד יום אחד מימי השבוע הבא ויסתפרו ודונק ויסתפרו קודם שיכנסו למשמרת דאם לא יסתפרו קודם תסקופה לשבוע יהיו עשורים כל השבוע שקלסמנט סטנטרדי כל השבוע הבא עד יום חמישי ומתוך זה שעשו לספר כל השבוע הבא par le fait que tu leur as interdit toute la semaine, alors ils vont devoir le faire avant. Ils tapent le code mshik. Mais si ils ne sont pas tam, ils ne sont pas. Ok, c'est pirouche. On continue la Gemara. Tanou Rabbanan, Merech Bistaper Bechol Yom, Kohen Gadol, Merech Shabbat, Merech Shabbat, Kohen Idiot, Ahat, Le Shloshim Yom. Le Kohen Gadol, le roi d'abord, il se coupe les cheveux tous les jours. Le Kohen Gadol, Aïe Shabbat, vendredi à vendredi. Et le Kohen Idiot, tous les 30 jours. Il ne doit pas laisser ses cheveux plus que 30 jours. Tous les 30 jours, il passe chez le coiffeur. Après, je ne sais pas, à Kam, il doit couper. Hein. D'accord. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une hauteur standard? Est-ce que c'est Ara? Est-ce que c'est. Je ne sais pas.
Ça veut dire qu'il a un Homer allégé. Hein? Le Homer. De pas se couper les cheveux. Non, c'est une blague. Ok. Mais comme tu as dit, il faut être beau. Ça dépend. Celui qui est beau avec les cheveux un peu courts, oui. Celui qui n'est pas beau quand tu lui grasses le crâne, lui, non. Claude, j'ai pas dit ça, je sais pas. Non, tu as dit Ménouval. Ménouval, c'est... Attends, il y a deux choses. Il y a les Anshé Mishmar, Anshé Mahamad doivent se préparer quand ils vont faire leur avoda. Maintenant, c'est indépendant. C'est pas lié à la avoda, ça. C'est un Kohen de manière générale. Il ne devrait pas avoir les cheveux sans être coupé plus de 30 jours. Même s'il ne travaille pas, c'est dans 6 mois qu'il travaille, tous les 30 jours, il faut qu'il aille se couper les cheveux. D'accord. Alors, bon, on sort ça. Dit la Gemara, Melech, Mistapel Becholio, Maitama, Amar Ba Barzavda, Amar Kra, Melech Beyofio, Tehezena Enech. Il faut que tu vois le roi dans sa splendeur. Melech Beyofio, Tehezena Enech. Donc, c'est pourquoi il faut que tous les jours il passe. D'accord. Bon. On nous choque un petit peu quand donc, même. Attends, tu vois, donc c'est toujours pareil, c'est la beauté. Donc ça veut dire qu'il faut faire une belle coupe, c'est tout. Maintenant, la taille, ça dépend de la personne, j'imagine. Je ne sais pas. La Gemara, elle va. Il y a une Gemara aussi dans ma serrette à Tsaledrin, là-bas, dans Kaf Bet, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle parle de la coiffure du Kohen Gadol, comme Ben Elarach, je crois. La Somme Irsemenu. Bon, c'est une coiffure un peu particulière. C'est-à-dire ? C'est une coiffure particulière. La racine, le cheveu, il touche la racine, c'est-à-dire du cheveu d'à côté. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y a un qui a payé beaucoup d'argent pour montrer, pour développer cette coiffure-là. Je crois qu'il s'appelle Ben Elash. Kohen Gadol, Mael Shabbat, Lael Shabbat. Maitama, Amar, Shmuel, Baïsra, O'il, O Mishmarot, Mithatshot. Parce que c'est à Shabbat que les Mishmarot se renouvellent. Donc, quand ils vont venir le voir, il faut qu'ils le voient, la nouvelle Mishmarot, il faut qu'ils le voient bien présenté. Donc, comme c'est le Shabbat qui font les changements, il faut que chaque Shabbat, il vient de finir sa coupe. Il a sa coupe. D'accord, sa nouvelle coupe. Kohen Ediot, Ahad Lishloshimyom. Alors, lui, c'est spécial. D'où je sais ça, dit la Gemara, Menala. Achia, pera minazir. Alors, c'est un limoud bichla. Pera minazir. Il y a une gzera shava entre lui et le nazir. Ktiva chav rocha lo yegalehu. Ou fera lo yishalehu. Il y a un pasuk de Yehezkiel. C'est marqué là-bas. Ou fera le koanim lo yishalehu. Il ne faut pas laisser les cheveux longs. Jivatam, Kadosh Yegedel Pera Saharosho. Au sujet de Nazir, c'est marqué Kadosh Yegedel Pera Saharosho. Donc Pera. Ou Pera Loïchalech. La même chose, d'accord? De la même manière. Malalan Shloshim, que le Nazir, c'est 30 jours. Gidul Pera, c'est 30 jours. Afkan Shloshim, même chez nous, le Kohen, il ne doit pas laisser Pera, il ne doit pas laisser 30 jours. Et le Nazir lui-même, d'où je sais, 30 jours. Amarav Matna, Stam Nezirut Shloshimyon. Parce qu'on connaît qu'une Nezirut sans date, ouais, quelqu'un a dit Arène Nazir, il doit rester 30 jours Nazir. D'où je sais ça. Amarkra yihye. D'accord. Kadosh yihye gadel pera yihye. Be gematriat latina we. C'est la gematria de 30. Quoi? On a fini. Du Agmara, donc tu as vu. 30, c'est le gidul pera du nazir. Quand je dis pera le échaler au sujet du Kohen, 30. Il ne faut pas qu'il reste 30. Demande à Gmara, Malé la papa la baye. Vedil ma chika marahamana, lolirbu, klal. Peut-être, il ne faut pas du tout
laisser pousser. L'ol est bouclade. C'est quoi cette question? Alors, c'est quoi cette question? Alors, regardez la chie. L'ol est bouclade. Avant de faire la chie, il y a une autre girsa. Elle a été rapportée aussi par le frère du Hesher Shlomo, qui est très sympathique. Cette girsa est très sympathique. Parce que selon lui, c'est pas écrit l'ol est bouclade. C'est marqué. Bien que tu sois attendu que oui, il pense comme ça. C'est marqué l'olirbu kol lamed, kol shloshim. Ah, ça veut dire, est-ce qu'on arrête avant 30 ou on passe 30? Kol shloshim, l'olirbu kol shloshim. C'est ça la kavana. Alors on va expliquer, c'est quoi la kavana de la question. Regardez la chie. L'olirbu klal, et là, il se tape de kol yom. Alors on a du mal. Taprou becholium. Bon, venez, on fait pour le moment la chique pshuto. D'accord? Il y en a qui sont magim de la chagav dans la chique. Et là, il taprou bechaftetium. D'accord? Alors, pour le moment, je fais la chique comme c'est écrit. Là, il tap, et là, il taprou becholium. Tous les jours. Et achim mashma ou fera d'ainu shloshim, lo yeshaler. Et là, il galère. Ou fera, d'accord, ou fera 30, loyeshalehu. Il ne faut pas laisser 30. Selon moi, il faut couper. Alors, on a du mal à comprendre. Si c'est Bechol Yom, comment tu as sorti Bechol Yom avec ça? Comment tu as sorti Bechol Yom, le début de la chie, comment tu l'as sorti? 29, j'entends. Aïe, tu devrais dire, et là, il se tape le Bechaftet Yom. Magnifique. Selon ça, c'est bon. Le début avec la fin de la chie, c'est bon. D'accord? Donc, ça veut dire que à 29, ils doivent se couper, mais pas à 30. Quand tu dis à 30, ils se coupent. Non, à 29, ils se coupent. Voilà la question de voilà, papa. Et cette explication, elle ne va pas bien avec le frère du Rishek Shlomo, c'est pas un peu très la bien, même chose. Très bien, très bien. C'est ça, l'olir, bon, pas klal. Pas l'olir, bon, klal, ne laisse rien du tout. Kol shloshim, c'est ça. Très bien, ça marche bien. D'accord. Très bien. De toute façon, le pirouge de la Gemara, c'est comme ça qu'on va le dire. Qu'on soit qu'on reste klal ou pas, ou kol lam. Le pirouge, c'est comme ça qu'on va le dire. Regardez tout ça d'ailleurs. L'olir, bon, klal, pirouge, va filo ad shloshim, yom. Ouais. Ne sais pas jusqu'au 30. Vous cachez des imkens de la shava des pères à la Mali. À quoi donc elle me sert la de la shava de pères? Mais je peux mal déchirer. C'est le mal l'olibou hatch le shimyon. Et là il galère bechaftet. Évidemment la conclusion elle va être la même. Donc moi on dirait que tout ça ils ont compris l'olibou cal du tout. Bah alors à quoi il sert pères? Père avec le nazir, tu as bien à te dire, père à le chaleur que tu peux laisser plusieurs jours sans couper. D'accord? Comme le nazir qui ne doit pas se couper les cheveux. Ça, sur ça, il pose la question, c'est pas tu te coupes tout de suite, tous les jours. Tu te coupes à 29 jours, et pas à 30. Donc, conclusion, comme Rashi, en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la gursa, l'olirbu, kol lam, mais elle est sympathique. Seulement après, on a collé le lamed qui était tout seul avec le mot kol, avec l'al. D'accord? Très bien. Alors, lui a répondu à Abaye, Amale, Iawaktav. Si c'est écrit Iawaktav, si la Torah l'avait écrit, le naf, lo yeshalehu pera. Pas pera, lo yeshalehu. Lo yeshalehu pera. Depuis le début, je commence par l'interdit. Ne laisse pas pera. Ah, ne laisse pas 30. Et 29, tu peux. Et ka amrat, là, ça sortirait comme toi, tu as dit. Ashta dirti ou fera. Loye shalehu, tu as devancé le mot pera. Ou fera le shalehu. Fera, tu peux. Mais après, loye shalehu. Plus. C'est ça, 30, c'est le max. Loye shalehu. Pera liave. Shlouheu de loye shalehu. La tosfor, shlouheu lo mishalehu, yoter mishlouchim yo. Ok, Yahri, demande à Gmara, si c'est comme ça, hein?
puisque tu m'as appris ça d'un pasouk. Veillez-y. Même aujourd'hui, le Kohanim ne devrait pas laisser plus de 30 jours. Et Harry. Non, il y a une chose qu'on n'a pas expliquée. Pourquoi les Kohanim et Dieu, eux, ils ne doivent pas se laisser pousser les cheveux? On a dit à cause de la Xera Shava avec le Nazir, mais il n'y a pas un tam. Le Kohen, quand il est dans son Mishmar, je comprends, il va servir la Kehuna, et Israël, il le voit, il faut que ce soit beau. Le roi, je comprends. Mais lui, le Kohen idiot, il est dans sa ville. Andy. Comme le Kohen, il ne peut pas, je ne sais pas moi, et il n'a pas le droit de boire du vin, alors je ne sais pas en fait. Rock, le Kohen, il doit se couper les cheveux tous les 30 jours. Pour le moment, c'est ce que je vais dire. Là, pour le moment, je vais dire ça. Mais c'est une mitzvah, comme une autre mitzvah qu'il a le Kohen. D'accord. Il veut que le Kohen il se coupe les cheveux tous les 30 jours. On va voir après le développement de la souvière. Pour le moment, on dit comme ça. Alors, j'ai la Gmalaya qui a fait le Aïdanami. Alors, c'est comme ça, pourquoi aujourd'hui il ne faut pas ça? Même aujourd'hui, alors. Et pour la Gmara, Dumia, Dishtuyeyaï. Mashtuyeyaï, Bitman Bia, Udasu, Shabitman Bia, Shari, Afaka, Nami. On sent Mashtuyeyaï. En fait, dans le pasouk là-bas, c'est marqué quoi dans le pasouk? À côté du pasouk au père de Chadler, où c'est marqué Veyaï no Yishtu. Comme il dit Rashi. Non, ça c'est autre chose, c'est pour les Kohanim. On est dans Yahezkiel. Là, il parle de Nézir. Là, on est dans Yahezkiel. C'est marqué. Tu vas me dire quel rapport, pourquoi Dumia de Yahin. Alors, Rashi, il dit que c'est marqué Yahin loishtu kol Kohen. Là-bas, dans cette parachala de Yahezkiel. D'accord. Ah, ça, c'est pas Soukhraf ou c'est pas Soukhrafal. Alors, Mashtu Yahin Bizman Bi'a ou Deasu. C'est uniquement lorsqu'il y a le bétabirdage que c'est interdit. Ah, la même chose. Même ici, la même chose. Quand il y a le bétabirdage, il ne faut pas qu'il reste plus de 30 jours le Kohen. Quand il y a le bétabirdage, il n'y a pas le bétabirdage, non. Donc, il a compris que la coupe des cheveux du Kohen idiot, c'est par rapport au bétabirdage. Voilà, dans la réponse. Voilà, on la rattache. Au Bétamirdash. D'accord? Très bien. Demande à Gmara. Mais ça, c'est Rabbi qui autorise aujourd'hui. Mais Hakamim, ils interdisent aujourd'hui le bord le vin. Voilà, Tania. Donc, selon Hakamim, on devrait interdire aussi la coupe de cheveux. ועתניה רבי אומר אני כהנים עשוי משות שאין העולם אבל מה אעשה שתכן זוכר אז טוב אמר בי כמה שתו הידנה כאן יחם רק רבי מכלל הרבנן עשרה donc tu vois que חכמים eux qui ne sont pas d'accord avec רבי interdisent le vin voyez comment on a fait מכלל הרבנן vous avez compris mais pourquoi tu fais מכלל Arrête, en haut dans la Braïta, avant de rapporter Rabbi, on a dit, Mipinema Amru Anche Mishmar, etc. Mikan Amru, Kol Kohen Chemakim Mishmato, etc. De là, on voit que Rabbi nous sort sur Rabbi. Vous avez compris? Alors, ça, c'est la question de Rashi. Rashi, dernière ligne, il dit, c'est vrai. On m'a dit, Nami Maïti, les chats de Braïta, Mipinema Amru Anche Mishmar, etc. Oui? J'ai rapporté la Sefa, c'est plus court. Sinon, je vais te rapporter toute la Braïta. Je te rapporte les paroles de Rabbi. De là, tu vois que Rachamim ne sont pas d'accord. Voilà la réponse de Rashi. C'est sur ça que Rashi, il a dit, il va répondre à la question de Rashi autrement. Il va dire non, toute la Braïta, c'est Rabbi. Je ne peux pas rapporter de la Récha de la Braïta. C'est pour ça que je suis obligé de faire le Miklal. D'accord. Voilà comment Rashi. Ça, c'est répond. Bon, mais ça reste difficile, hein?
en réfléchissant là, parce que ça veut dire que même Rabbi serait d'accord qu'aujourd'hui, les autres catégories, c'est interdit alors. À part celui qui ne connaît rien. Aujourd'hui, personne ne connaît rien. La fille ne connaît rien. Aujourd'hui, qui est sûr qu'il est Cohen? Non, ça veut dire que même Rabbi, à l'époque de Rabbi, en tout cas, il y avait bien ces catégories-là. Oui. Oui. Mais tu sais une chose, je ne sais pas si tu es au courant, ils ont trouvé que les Kohanim, ils avaient un gène particulier. Oui. J'ai entendu une fois quelque chose comme ça. Moi, j'ai dit, c'est comme ça que Léo, il va dire qu'il est Cohen, qu'il n'est pas Cohen. Il va voir tout de suite, il va aller hop, 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 hop. Pourquoi avec le gène? Bien sûr, là au moins, c'est un gène. Alors. Il va le faire sans gène. Mais il y avait Elia, pas. Elia, on avait le faut qu'elle aille apprendre pour tester l'ADN et tout ça. C'est pas facile. Là-bas, là-haut, on l'aurait pas appris ça. Manu, il y avait pas un Sefer Yochassin à leur époque. Ah, celui qui avait... a, celui qui a pas, il a pas. Hein, pas tout. Mais ils avaient tous à l'époque. Comment tu sais? Voilà, tu es une mère ici qui dit non. Tu es Haddad, toi, tu n'es pas Cohen, hein, ça suffit. Toi aussi, avant, je suis Haddad. Non, mais moi, Haddad, j'étais Cohen. On parle de nous. Ok. C'est vrai. Tu sais que dans le Harasera, on dit qu'il y a des Haddad qui étaient Cohen, etc. Et il s'agit de, malheureusement de notre secte. Mm. Alors, on est où là? Kerabi Miklal, de la banane, Asre, Maïtama, pourquoi Hakam nous interdit? Mais là, il y a des gens qui ont alors, tu as interdit. Tu m'as dit, c'est Béchat Betemirdash que tu as interdit. Ok, une seconde. Mais Hakamim, aujourd'hui, ils interdisent le vin. Et donc, on doit interdire aussi la coupe de cheveux pour les Kohanim plus 30 jours. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Oui. Akha Efshad, répond la Gemara, Akha Efshad, il s'appelle Aïl. Me dit, pas du tout, c'est pas la même chose. Le Kohen aujourd'hui peut se laisser les cheveux plus de 30 jours et il y a le Beit HaMikdash, il va se couper les cheveux à ce moment-là. Il va chez le coiffeur. Et Akhi, Shtouye Yahin. Nami. Shtouye Yahin, Nami. Efshad, dégagné pour le tard, Aïl. Même celui qui a bu, il a qu'à dormir un petit peu, fait une petite sieste. Et il vient travailler. Ah, bah. Le fait de marcher 1000, un kilomètre, ouais, 2000 amotes, et Shina Kolchiou, quand quelqu'un fait un petit somme, eh bien, dissipe le vin, mais fait guinetayaïn. Ça dépend s'il peut marcher, hein, parce que quand il est sous, il va marcher. Répond la Gemara, là où mit, mar, ala, mar, abnachman, amar, babarabou, aloshan, ou ela, qui s'échata, chia, ou revirit, aval, chata, yotel, mervirit, kol, sheken, sedek, matridato, vishena, mishakarto, point. Ah, oui. Quand est-ce que je te dis que quand tu fais un petit somme, ça va, ça passe? Quand tu as bu, revirit, tu as bien bu, oui, eh bien, au contraire, la marche, elle le perturbe davantage et la chaîne, elle va dans donc, le sens de la chaîne beaucoup, quand tu la bues beaucoup. Quand tu la bues beaucoup, ouais. Et la chaîne, elle va dans le sens de la chéchroute. D'accord. Et donc, si bois, la différence, c'est si tu viens pour beaucoup, tu ne pourras pas faire la voda, même avec un somme. Par contre, couper les yeux, tu peux toujours te couper les yeux. Le bêta modage est là, tu vas te couper les yeux direct. Point. Première réponse. Voilà la première réponse de l'Agmara. On continue. Maintenant, une deuxième réponse. Si, selon la Girsa que nous on a sous nos yeux là, on va rester Bekushia sur cette réponse de la Vachie. Cependant, selon Tosfot dans Maseret Sanhedrin, ouais, là-bas, ça va être résolu. Alors, on va expliquer, Bezat Hashem. On y va. Ravashi Amar. Moi, je te réponds. Shtouye yain de mahla avoda,
Gazur Gurabana. Quelqu'un qui est ivre et qui fait la avoda, elle est mecholelet, elle est profane. Ouais, il aura profané la avoda. Donc, dans ce cas-là, Hachamim nous ont décrété. Ne bois pas de vin, même s'il n'y a pas le Beit HaMikdash. Peut-être le Beit HaMikdash va être là et tu vas travailler. Tu ne peux pas travailler. Tu vas travailler. Tu mets halal ota. La avoda. Proueroche de l'homme halé avoda. C'est un Kohen, il travaille avec les cheveux plus de 30 jours. La avoda, elle n'est pas profanée. C'est la raison. Ok, il ne faut pas le faire. Mais sa avoda, elle n'est pas profanée. Le gaz, le bio, la banane, même ne l'a pas trouvé nécessaire de décréter. Le issour est vraiment grave. Il y a moins de conséquences néfastes. Moi. Très bien. Avant de continuer, alors, on fait quelques tosfot. Miklal de Rabbanan Asre Pirush. Miklal de Rabbanan Asre Lishtot Yain. Mishum de Shimi Bene Betemodash. Ubain Koen Ravila Avod. Vilika. Umshane, Shadim Saper, Veaye. ועין הכהנים הרואים לעבודה ולקה, ואם תאמר, ואלו בלו יין נמי אסורין בעבודה, לתימי מתימנין הוא, סבא ג'י ג'י שקומחום פעלה. וואי, כשתו רקונט. עונה בזוון דו כהנים כסור אבטה לעבודה יפה, וזו תלי מניאר. מם סן היסטור דיווה, יסון תמי מתים. איזו אינה בזוון דו נעזה התחואה, בזוון עזה הסט, Azad de FR Paradouma. Ouais, et donc pourquoi on leur interdit le vin? Oui, Shlomar, des Mikomakom, Moutarim, Avoda, Sibou, les Touma, Outarabé, Sibou. Quand même, ils peuvent faire Avoda, Korban, Sibou. Parce que la Touma, elle est Outarabé, Sibou. Prouaroche, de l'homme, Ahlé, Avoda. Pourquoi Proaroche ne profane pas l'avoda? Mishum de l'ok pirouj de l'ok tif besamouch ou l'avdil, ben akodesh ou ben ahol. Il y a une dracha, d'accord, bien qu'elle n'a pas tenu cette dracha-là, mais par ailleurs, hein, ce n'est pas notre souvien. Regardez Rashi, en fait, tout ça, tu dis comme Rashi. Regardez Rashi, chatouille yain de mahle avoda. La réponse de Ravashi. Plus tu sais que le chatouille, s'il travaille, il profane l'avoda. Alors, j'ai l'achi, dirtiv, yain meshechar al techt. C'est marqué dans la Torah, yain meshechar al techt, et juste après, c'est marqué, ou l'avdil ben akodesh ou ben achol. C'est quoi ben akodesh ou ben achol? Ben avoda kdusha, l'avoda mecholelet. L'avoda chatouille yain, chilel. Et ça, c'est pas écrit au sujet de Proeroche. D'accord? Voilà la raison de ce hilouk-là. C'est ce qu'il explique que ce soit la même chose. Mais tu veux, Agmaral va objecter sur la raison de Ravashi. Donc on répète. Pourquoi les Kohanim aujourd'hui se coupent les cheveux? Réponse numéro 1. Ben parce que, ils peuvent laisser leurs cheveux longs. Ils se coupent les cheveux même plus de 30 jours. Réponse numéro 1. Ben parce que dès que la bête est achetée, ils peuvent se couper les cheveux. Deuxième réponse, réponse numéro 2, celle de Ravashi. Il dit parce que même s'il vient travailler avec le jolon, il ne rentre pas à l'avoda, mais il est. Mais j'y vais. Velu shen bemita. Voilà ceux qui sont à Mita. Celui qui a bu du vin, celui qui a laissé les cheveux pousser. Oui. Bishlama. Donc, ceux-là, ils sont bémita. Si on la voit comme ça, ils sont bémita. Bishlama. C'est marqué au sujet de Shtuye Yain.
Yaïn le shekhar atè, je ne bois pas le vin et le shekhar. Et alors, la suite du passage c'est marqué Ata ovanecha velotamutu. Donc il y a marqué Ayomita. Et la proa roche, menalan. Oui, marqué, d'où tu sais que proa roche, il est Ayomita. On a dit Yaïn ou Shein Bemita. Voilà ceux qui sont Ayomita. Je te dis Yaïn, proa roche. Et proa roche, d'où tu as vu qu'il est Ayomita? Dirtiv, rocham, loye galecho. Offert à l'Oyeshalecho, le passage qu'on a remporté dans le mot de Lichon. Et dans le passage d'après, c'est marqué Voyen l'Oyeshtu, Kol Kohen, mais voyez, mais les chassés la pénimite. Il ne peut pas boire le vin en venant au Beth Amidrash. Donc, il y a un itkouch pour Oyerosh et Shtu Yayin. Il y a un pêche entre pour Oyerosh et Shtu Yayin. Ma Shtu Yayin, Mimita, pour Oyerosh, Mimita. De la même manière que Shtu Yayin. Il est mita, même pour Aéroch, il est mita. Voilà comment j'explique l'enseignement de Yaïn. Et pour Aéroch, il est Hayav mita. Pour Mina, et de par le même Ekech, seconde, de par le même Ekech, image tu Yaïn des Mahla Avoda, le Shtui Yaïn, il profane l'Avoda, Av pour Aéroch, Mahla Avoda. Même pour Aéroch, il profane l'Avoda. Selon Rashi dans ma Maseret Sanhedrin, là maintenant on égoresse Kushia. Comme ça, clair, Rashi dit là-bas. Kushia. C'est bon? Serge, c'est ça. Non, moi j'ai plusieurs questions. La première question, même Shtuye Yaïn, on voit qu'une seule fois, il n'y a pas Atra et Onesh, en principe, il faut deux fois pour rendre Mita. Non, Mita, c'est pas Mita, c'est Mita Bideshamay. D'accord, ok. Et en plus, Ekech, on le fait minadine aussi, pour faire le même din, pour faire Hayav Mita aussi. Que tu me dis, c'est assour, mais Hayav Mita, tu vas jusque-là. Baba. Ishim, de Kalvachomer et tout ça. Ouais. Non, non, Enonshim minadine. À partir d'un Kalvachomer, non. À partir d'un Ekech, des Rachava, etc., bien sûr que oui, ma baya. Ah, tu vas jusque, on va jusque là. Ouais. Bon. Très bien. Donc on voit ici Av pro Aéroch, des Mahla Avoda, selon nous dire ça surtout, il y a Kachia, etc. Juste à gaffe, il y a Rachash, il rapporte, je crois ici, une Kushia du Gvorotari. Il dit comment ça se fait qu'on n'a pas cité au début de Perksheni des Zvahim. Pourquoi on n'a pas cité pro Aéroch? Qu'il aimait Halel Avoda. Là-bas, la Mishnah cite une liste de choses qui sont Mechalim la Avoda. D'accord ? Pourquoi il a, demande de Kourotari, pourquoi on n'a pas cité Kourou Aéroch, comme on voit dans la Gemara chez nous ? Et sur ça, le Rachash, il dit Vetema, je suis très étonné. De Amay lo marché Mishtu Yain, de Kula Alma. Je suis en train de poser ta question à partir de Kourou Aéroch. Et alors, Kourou Aéroch, il n'est pas d'accord. Pourquoi tu ne poses pas ta question à partir de Yaïn? Yaïn, tout le monde est d'accord qu'il est Mahle Avoda. Même Rav Ashi dit qu'il est Mahle Avoda. Question numéro 1. Et après, il dit, Vurod, je suis encore étonné, c'est qu'il s'est fatigué, le Gvorotari, pour trouver, tu sais pourquoi il n'a pas cité? Un Aveshier. Maïshier de Aishier, il se casse la tête, c'est quoi ce qu'il a laissé? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Elle a laissé Yaïn. Chatouille. Tout le monde est d'accord. Je suis très étonné. Encore un autre étonnement, c'est que ta question de départ, là-bas, il y a un Tosfot, il fait une ligne et demie, il répond à ta question. Gamnira, des jtamités, dis-le à Tosfot Shab, dis-le à Matrilosa, qu'est-ce qu'ils disent là-bas, Tosfot? Dans la Mishnah, dans le Tana de la Mishnah, qu'il a dit les Avodot qui sont Mechalim, la Avoda, c'est ce qui n'est pas écrit clair dans la Torah. Et ceux qui sont écrits clairs, d'accord, bon, le Tana, il les a pas cités. Relativement clair, quoi. Le Tana, il les a pas cités. D'accord, voilà, donc ça répond à ta question. Voilà, plus ou moins, le Rachash, en fait, il est marché sur Gvorotali. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, sur ça, je répète, la Gemara ici chez nous, elle s'arrête une couche ya contre la vache. Bon, maintenant, il y a une parenthèse. Que dit la parenthèse? L'eau qui est couche, les mitas ou des couches, aval les achol et avoda, l'eau est couche. La parenthèse, elle dit quoi? Non. Quand il y a eu le hekesh entre Proa et Roche et Shtuyei, c'est uniquement au sujet de Hayuv Mita. Mais de profaner l'avoda, non. Et donc, la Ralam Ravashi a raison. Oui, maintenant, nous, ce qui nous dérange, si on ne s'arrête pas dans la Gemara, on sait très bien qu'a priori, Enekesh les Mersa. D'accord? Un peu dur, cette phrase-là. Mais, sachez que le Hagaot Agra, là-bas, dans ma certaine édition, il est goré, cette phrase-là. Pour le moment, nous, elle ne nous plaît pas beaucoup. D'accord? Parce qu'on connaît le principe. Enekesh les Mersa, tu prends tout ou tu prends rien. Mais indépendamment de ça, si tu me dis que. Une seconde, je finis. Cependant, quand on va finir la Sougia, notre Sougia chez nous, ouais, soit là-bas, dans ma Sechet Sanhedrin, il va dire que la Gemara, en fin de compte, elle va défendre la vache. En fin de compte, on va défendre la vache. Effectivement, on pourra accepter la parenthèse. D'accord, les mafraires, on pourra l'accepter. Vas-y, Serge, on va, je veux dire. Alors, vas-y. Comment maintenant tu vas me dire? C'est pas Mechalel le Corban, et tu es quand même Hayav Mita? Ouais, mais pourquoi ça te choque? Au niveau du Hayav Mita, ils sont les mêmes génies. Maintenant, il y a des choses que tu as Hayav Mita, que ce n'est pas Mechalel Ravouda. Pourquoi ça doit être cachot selon toi? C'est forcément lié. On ne fait pas Ekesh les Mersa. Moi, bon, okay, on a posé déjà cette question. On a posé cette question. On l'a posé. C'est tout. Voilà, toi, tu sais ça. C'est pour ça. Moi, je la pose différemment. Je dis la Zbara. Je ne vois pas de Zbara dans cette idée. Oui, Zbara. Ah, quand même. Tu n'es pas Mechalel à Avoda et tu le rends Hayav Mita. C'est gentil, ça. Ok. Très bien. Amalé, je continue la Gemara. Amalé, Ravine, Alé, Ravashi. Donc là, pour le moment, alors avant de continuer, quand même, c'est important. Il y a un Rashi ici. Regardez Rashi. Parce qu'en fait, là-bas, quand vous voyez la Gemara dans Sanhedrin, il dit oh, il y a un Rashi chez nous, Ta'anit, on ne comprend pas. Mais en fait, Rashi, ici, il explique Rashi chez nous de telle sorte que. Ils vont s'accorder les deux Rashi. Regardez Rashi, il se trouve à Rigal Sinan. Il est en dessous, après le Rashi, Shtuyeyaïn. En haut, vers le haut, plus ou moins. Écrit à Rigal Sinan, Omina, ma Shtuyeyaïn, mahle avoda, afro erosh mahle avoda. Moi, dans ma Gemara, j'ai un point, et après, j'ai Kashia le garas. Moi aussi. Mais, en fait, si tu dis ça, ça veut dire que tu es en train de dire qu'il ne faut pas être Goles Kouchia. Il ne faut pas être Goles Kouchia. D'accord. On relâche là-bas dans sa lignée, il dit Garcinal Kouchia. Alors, dire la chaise, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut mettre le point après Kouchia. D'accord. Et le Garas. Si tu mets le point après Kouchia, ça fait Kouchia. Oui, Kouchia, comme chez nous. On a fini. D'accord. Et le Garas. Après, Logaras, qui gimire alakha lemita. La parenthèse, ouais. Parce que nous, dans la parenthèse, qui gimire alakha lemita. La holavda logmire, ça, Logaras. Au contraire. Comme on a dit, nous, oralement. D'accord? On n'est pas gores, qui gimire alakha, quand il y a alakha, c'est lemita. Avant la holavda logmire. Ça, on n'est pas Gores. En fait, cette phrase-là, vous allez la voir un peu plus bas. Il y a une parenthèse aussi en bas. D'accord? Vous voyez la parenthèse un peu plus bas, là où on est? Oui, oui. C'est ces mots-là. Voilà, le Galas, il revient sur ça. D'accord? Très bien. Maintenant, je continue la Gemara. Amale ravina le ravashi. Amichme de Ataya Hezkiel. Manamara. Je t'en prie. Avant que Hezkiel, on nous a dit maintenant qu'il y a un Hayuv Mita. Dans Proa et Roche. Dans Proa et Roche. Et dans. Parce qu'il y a un Ekesh.
Yepes avec Yaïd. Yaïd, c'est écrit dans la Torah. D'accord? Yaïd, le Shechalatesh, Adam, ou l'Otamout. Et pour alors, tu as dit, c'est Hezriel. Alors, dis, attends une seconde. Et avant que Hezriel ne vienne, oui, qui c'est qui l'a dit? Comment on appliquait la lacha? Amalé, veli ta mère. Il lui a dit, mais et selon toi, quand dis-moi comment appliquer la lacha? C'est sûr que la lacha, elle n'a pas été innovée par Hezriel. Donc, la source, elle est avant. Elle a dit, selon toi, Adamara Fresda, d'avarze metorat moshe le lamad, ou midi le kabbalah lamad. Cette chose-là, on ne l'a pas appris de Torah de Moshe. On l'a appris Midivre Kabbalah, des Nevim. C'est quoi cette chose? Kol ben nechar alel, arel lev, arel basar. Toute personne qui est arel lev, cœur incirconcis, ou bien qui n'a pas été circoncis physiquement, quoi. Parce que ses frères sont morts, c'est un Kohen. Ses frères sont morts, il n'a pas fait la Brit Mila. Il a deux frères morts comme ça. Alors lui, on ne lui fait pas. Ils ont fait la brit mila, ils sont morts, les deux frères. Oui. Lui, on ne lui fait pas. Hémophile. Oh, Yavol, Mirdashi, les Charteni. Dit le pasuk. Oui. Et il ne viendra pas. L'Oyavol. El Mirdashi. Et il y a quoi pour faire quoi? Pour être méchalette aussi. C'est pas écrit le mot Charteni là-bas. On veut servir, dit Hachem. Oui. Et dis-moi, c'est à la rade de la Frosda. Que la circoncis, il ne peut pas. Amir Meza de Hezkiel, Manamara, qui c'est qu'il a dit? On a question de Hezkiel aussi. Et là, Gemara Gamirla, Vate Hezkiel, Vasmechatra. C'est qu'en fait, au départ, c'était une alakha, le Moshe Mistin, Kabbalah. Et est venu Hezkiel, oui, et il a été meramé ça dans le passo. Oui, il a appuyé cette alakha-là sur un passo. Là aussi est venu Hezkiel, ouais, sur l'histoire de couper Hayav Mita pour la bataille Hezkiel, celui qui est pro Aloche. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, Rachid n'est pas goré selon la gare qu'on a fait, Kigmir al-Khalimita al-Avodanogmire. D'accord? Il y en a qui sont Gorsim. Bon, oui ou non, mais en tout cas, fin de la Sougia. A priori, selon le Pshat de la Sougia, qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a pas répondu à Ravashi. Ravashi est resté Berkouchia. Seulement. De toute façon, là-bas, il pose une question qu'on voit ici que Ravashi, il est d'accord avec le Limoud. Lui-même, qu'on a été marché sur lui en haut avec le Limoud, avec ce même Limoud. De toute façon, là-bas, il conclut et il dit qu'en fait, dans la Maskana de la Gemara, on a répondu aussi à la question précédente. On a aussi répondu à la question présente. Pourquoi? Parce que, en fait, la halakha de Moshe Missinaï, c'était uniquement, écoutez bien, c'était uniquement Pro Erosh Hayav Mita. C'est ça. Est-ce qu'il est Mechale Lavoda? Non, il n'est pas Mechale Lavoda. Il est Mechale, mais pas Pro Erosh. Un halakha kazé. Comme ça, c'est écrit. Comme ça, j'ai bien décidé. Alors, quand Hezkiel est venu, il est venu, le din que le pro-erosh, il est Hayav Mita, il a juxtaposé au din de Yaïd. D'accord? Mais il n'avait aucune intention qu'on fasse le Hekesh au sujet aussi de Hilul Avoda. D'accord? C'est la raison pour laquelle, c'est vrai que de manière générale, il faut savoir comment c'est fait. Ici, l'intention de Hezkiel quand Asmechakra, c'était uniquement. D'où tu connais l'intention de Hezkiel? Hein? D'où tu connais l'intention de Hezkiel? C'est ce qui lui répond à Ravashi. Ravashi te dit, l'intention de Hezkiel, c'est, il a un, comme il a dit à la fin, il a dit l'intention, c'est d'être,
c'est une halakha le Moshe Mishnah, une Gemara Gamir. Je vais te méramer ça dans les psukim. Mais c'était qu'une seule halakha que je voulais te méramer. L'halakha le Moshe Mishnah qui est que le Pro Héroch, il est Hayav Mita. C'est tout, j'ai rien que ça comme halakha. Qu'est-ce qu'il dit Ravashi? Ravashi dit, tu sais, le Pro Héroch, il n'est pas Mechalel Avodash, tu y as une. D'accord, mais le Pro Héroch, il y a Hayav Mita. Oui, comme le Shuyay. Ya. Maintenant, cette halakha le Moshe Mishnah, que le Pro Héroch, il est Hayav Mita. C'était halakha le Moshe Mishnah. Jusqu'à ce qu'elle a dit, allez, je vais faire un remez dans le passou. Comment je vais faire le remez? Avec Shuyayin, je mettrai un côté de l'autre. Oui. Mais dans son intention, Yahaskiel, suivant ma réponse, c'était uniquement par rapport à Ohiyumita, mais pas par rapport au Hilul Avoda. Et de toute façon, on peut faire un ikesh sur les divrés Nevi'im. Ça va dans ce sens-là, en plus, que tu es en train de poser. A priori, on ne peut pas faire. Donc, ça veut dire que ça va dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire que même la question. Dès le départ, elle ne se posait pas. On ne fait pas Ekech. Ce n'est pas Ekech, c'est Remez. Non seulement au départ, on pensait le Remez et les Chalem, qu'il a fait. Dans la réponse, selon le Dela de Tosfot, dans la réponse, non. D'accord. Dans la réponse, il a fait une partie, mais une partie n'existe pas. Mais je suis obligé de la faire. Enfin, bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il nous reste, Tosfot? Bon, Tosfot, d'Avarze, Mitolat, Moshe, Lolamad, nous. La Gemara, elle a dit, après on passe à une nouvelle sugya. Hein. D'avarze mitolat moshe lo lamadnu. Pourquoi tu demandes, ça veut dire attends, la Gemara, elle a dit quoi? La Gemara, elle a dit, on ne peut pas apprendre le din que l'incirconcis ne peut pas faire l'avoda, le harel. Un Kohen Harel ne peut pas faire l'avoda, il ne l'apprend nulle part de la Torah. Nulle part. Ah, tu te dis, c'est vrai ça? Moi, je peux te dire que oui. Comment? On y va. Ni l'av, mi kal vachomer. Pourquoi on ne peut pas l'apprendre kal vachomer? Tu ne peux pas faire l'avoda. Comment? Oma ba'almou. Quelqu'un qui est Baalmou. Un des moumines de la. Ouais. Qui peut, il a le droit de manger des Kadashim. Un Kohen. Kadashim, Kadashim. Donc le Baal Moum, il peut manger des Khadashim, mais il n'a pas le droit de faire l'avoda. Harel, un Kohen Harel qui ne peut pas manger des Khadashim, il ne peut pas faire l'avoda. Ben voilà, tu as vu, j'ai un Kal Vachomer. Harel, c'est un sur le Bachilat Khadashim, d'où tu sais. C'est d'acheter un père Harel, Begzera Shabbat, Toshav et Sahir, mi Pesach. Les Harel, c'est sur. Bon, et le Din, c'est un sur l'avoda. Bon, le limout que tout ça, tu rapportes. Le Rachash dit que là-bas on parle de Trouma, et pas des Kadashim. Bon, là-bas finalement, le Rachash dit va voir que ce soit un autre Mechor ou ça va s'arranger. Bon, je ne rentre pas dans les Mechorot, ok? Donc c'est clair, la question de ce soit elle est claire. Je reprends. Baal Moum, il peut manger Kadashim, Asur Avoda, Arel, Kadashim il ne peut pas, Avoda, Lokol Sheken qui ne peut pas. Donc voilà, je t'ai montré de la Torah. Que le Harel Kohen ne peut pas faire la Avoda. Qu'est-ce que tu dis, Mitorat Moshe le Lamad d'Avarze? Juste un tout petit truc. L'abréviation Vechettav, c'est quoi? Où Vechettav? Tout début, au tout début. Vechettav, Nilaf, Mikel Vachomer. Même Tomar, pas Hetzal. Ah, d'accord, dans mon livre, il est mal écrit. Voyez, Lomar, soit tu dis, je réponds. Deux réponses, il va donner. Premièrement, des Halal Yochiyah. Un Kohen halal est pauvre. She'en ochel ba kadashim. Il ne peut pas manger kadashim comme le harel. Et pourtant, filo achi kasher l'avoda. Donc je peux dire même le halal, même le harel kasher l'avoda.
Donc, de toute façon, ici, ils nous disent que le halal cachait l'avoda. Agab, dans Yarkut Mefarshim, j'ai vu un hakam qui s'appelle Karne Rehem. D'accord ? Il dit que dans Tosfot, donc tout vote, c'est machma, Kargim et la Bamoucheni, c'est machma que le halal, ça vaut n'est pas que Shira. Bon, laissons ça de côté, c'est une Ara. Ogde Amar, Pereka Omer, Mirtiv, Balech Hashem Halo, ou faut aller dans le Tchersé, des machma, filo, cholin, chebo, ou rose, va vous dato. Ça vaut d'aller bon. Même le cholin, même le Kohen halal. Donc, si un Kohen est halal, il fait la Vouda, eh bien, ça vaut d'aller que Shira. Et pourtant, ouais, et pourtant, le halal ne peut pas manger kadashim. Donc je te dirais que même l'incirconcis, le halal, bien qu'il ne peut pas manger kadashim, il peut faire la voda comme le halal. Ouais, donc j'ai fait souder le kalvaham. Inami, deuxième réponse, c'est ça que tu dis. Inami, mais balmoum lomasi alif. Toi, tu voulais apprendre à partir de balmoum, n'est-ce pas? Balmoum, il peut manger Kadashim, il ne peut pas faire Avoda. Halel qui ne peut pas manger Kadashim, le Kolchekin qui ne peut pas faire Avoda. Je ne peux pas apprendre du Balmoum. Pourquoi? Balmoum, il cale les mifrach. Mal et Balmoum, Sheken, Asubo, Kerevin, Ke Makrivin. Shekol Akrivin, Psulin, Shem, Balimoumi, si on peut ranger la phrase. Ke Mo Amakriv. Omar Be'arel Shelo Asabo Krevin Kema Krevin Nebalut Shabba Be'ema. Toi, tu veux me dire, tu sais, hein, le Baal Moum, il ne peut pas faire la Vouda. Mais tu sais pourquoi le Baal Moum ne peut pas faire la Vouda? Parce que le problème Baal Moum, c'est un problème qui existe et chez l'animal et chez le Kohen. Un animal qui a Baal Moum, il n'est pas bon en tant que Korban. Un Kohen qui parle Moum, il ne peut pas faire la Avoda. Il n'est pas bon pour le service. D'accord? Mais ne viens pas m'apprendre de ton Kalvachomer. Ah, alors tu sais quoi? Le Harel aussi, le Kohen Harel ne peut pas faire la Avoda. Pourquoi? Parce que le problème de Harlout, il n'existe pas que pour chez l'homme. L'homme, pas chez l'animal. Donc c'est un peu plus faible. Donc peut-être que oui, il peut faire. D'accord? Ça, la réponse de tous dans les mots. Un ami, mais va-t-elle, mais Balmoum, pardon, l'homme assis, il dit qu'elle est mal et Balmoum, chéken asubo, krevim, ke makrevim. Le makrev et le karev, ils ont les mêmes problèmes. D'accord? Chekol, akrevim, psurin, chem, balimoumin, ke moa makrev. Mal, balel, jelo asabo, krevim, ke makrevim. Mais voilà, quel arrelou tu as dans les behemoth. Point. Prochain, tout ça, tu es yain, des mahle avoda, pirouche. Dirtiv yain veshechal al test. Et après, c'est écrit ou la vie ben akodesh ben akhon. Voilà d'où je sais que je suis yain mechal al avoda. Ok. Et ça, pour Aerosh, on l'a pas. On peut commencer maintenant une nouvelle sugya. Donc la sugya d'aujourd'hui est la même sugya que demain. On va commencer une sugya. Tano Rabanan. Amos. Alors avant de tenir la banane, kol akatu b'mgilat ta'anit de l'ol mispad le fanav asol et aharam. Donc avant de commencer la nouvelle sugya, juste qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah sur ce sujet-là. Alors, regardez la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu, je reprends un peu la Mishnah, je prends deux, trois lignes de la Mishnah. Quand la Kato Bimgila Tani de l'Omispad, le Fana Vassou le Haram Mouta. Tout ce qui est écrit dans Migila Tani, qu'on ne doit pas faire de Espédim, ce qu'on a vu, vous rappelez-vous, dans Migila Tani, il y a des dates, c'est les jours où ils sont festifs, il y a Mim Tovim. Il y a des dates où on ne doit même pas le droit de faire de Espédim. Et il y a des dates que juste, on n'a pas le droit de jeûner. D'accord? Ce que j'explique, c'est selon Rashi. Donc, il y a des dates où on n'a pas le droit de jeûner. Et des dates, c'est plus grave.
pas qu'on a pas le droit de jeûner uniquement, même des espédimes. On n'a pas le droit. Alors, dans la Mishnah, on a vu tout ce qui est écrit dans Megillat Ta'anit qu'on ne doit pas faire de spédim. Alors que Tanakama Rabbi aussi. Selon Tanakama, par exemple, jour J. Jour J, interdit de faire des spédim. J-1, selon Tanakama, on n'a pas le droit de faire des spédim. Mais J+1, on peut faire des spédim. Alors que selon Rabbi aussi, même J-1 et J+1, on n'a pas le droit de faire des spédim. C'est clair? Dès lors, maintenant, dans les dates, on n'a pas le droit de jeûner. Selon Tanakama, jour J-1 et J+1, tu peux jeûner. Selon la Bible aussi, J+1, tu peux jeûner, mais J-1, tu n'as pas le droit de jeûner. Donc J-1 et J, tu n'as pas le droit de jeûner. Selon la Bible aussi. Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Bible aussi, toujours plus marmire. On y va. Alors, la baraita qu'on va lire maintenant, sachez qu'elle est rapportée aussi dans ma Maseret Nahot. Vous voyez là-bas tout ce faute. Il n'y a qu'à ma Gersa. D'accord. Nous, on va faire la Gersa qu'on a nous sous les yeux. Voilà les jours. Ce sont les jours. Voici les jours où. On ne doit pas jeûner. Au Mixatohon, et parmi eux, même espèce qui n'a pas le droit. Alors on y va. Meresh Yaracha de Nissan Uat Maniabe, du premier Nissan jusqu'au 8. Itokam Tmida. Le Korban Tamid, la mitzvah du Korban Tamid, elle s'est tenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une discussion avec les Baït Ossim. Baït Ossim, il disait qu'on peut rapporter le Korban Tamid, même d'un Korban Yahid, même d'un Yahid. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, « Takev et Sehad, ta'asé » au singulier. Pas bon, « Takev et Sashini, ta'asé ben Arbaïm » au singulier. D'accord? Les Hakamim me disent non. Le Korban Tamid ne peut venir que de l'argent du Sibour. Il peut venir que du Sibour. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué et korbani lahmi leishai rehnuit shmeru la triv li mimado. D'accord? Au pluriel. Donc il y avait une bagarre. Mais leur idée de ta'asé singulier, c'est parce qu'il y en a un. Tu feras. Ouais, tu feras. Voilà, c'est tout. Tu fais un. Ouais. Mais tu vas pas, c'est pas un cachette comme ils ont dit. C'est pas notre souga de discuter pourquoi un il pense comme ça, il pense comme ça. Ça, c'est ce que Rachid a rapporté de l'Akmara de là-bas de Mnachot. D'accord? Mnachot discutera si tu veux, le dikdukim de chacun. En tout cas, cette bagarre-là, elle a fait en sorte, donc il y avait un grand. C'était chaud, quoi. Et quand est-ce que finalement la main des Hakamim, elle a pris à gagner, quoi. C'est cette période-là. Et donc, Hakamim, ils ont décidé que cette période-là, du 1 au 8, du 1er Nissan au 8 Nissan, donc on est au mois de Nissan, là, oui, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Des lole mispat beron. C'est clair? Hakamim, ils ont dit, même espèce, il n'y a pas. On continue. Mitmania be'atsof mo'ada itotav hagad eshvoa. Dela le mispat be'od. Selon nous, selon notre gars. Ça, les deux, dela le mispat be'od. D'accord? Rashi dans Nahot, qui les gores ici, dela le ta'ana be'od. Bon, je dis qu'il y a qu'à ma gueule, ça, on ne va pas pour le moment rentrer dans ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'histoire de. Alors, du 8. Jusqu'à la fin de Pessah, Hatsof Moada. Ce sont des Yamim Tovim. Eh bien, la fête de Shavuot, elle a été assise. Ça veut dire quoi? Et donc, on ne fait pas d'espédim. Ça veut dire quoi? Elle a été assise. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Alors, on connaissait tous l'histoire. Les Baït aussi me disaient, quand c'est marqué Mima Cholat à Shabbat, on parle de Shabbat Bereshit. J'espère que le Et non, Hachamim, ils disent non, pas du tout, Mahalat Shabbat, on parle de Yom Tov. Il y a une discussion entre eux.
Maintenant, Rashi rapporte comme ça brièvement la Gemara de Nahot. Rabban Yohanan ben Zakkai leur a dit, Shotim, minay lachem. Vous savez que c'est le Shabbat Bereshit. Pas parce que c'est marqué Mimacholat à Shabbat. En même temps, il s'appelle Shabbat. Alors, d'où vous savez qu'on parle de Shabbat Bereshit? Alors, tout le monde s'est tué, parmi les Baït aussi. Jusqu'à ce qu'un vieillard, comme ça, la Gemara, elle le ridiculise un petit peu. La Gemara dit, mais pas de pète. D'accord? Et il a répondu comme ça, mon cher Rabbeinu, il aime les Bnei Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que Shavuot, c'était qu'un seul jour. Oui? Alors, il a décidé qu'on commence à compter le 1 le lendemain de Shabbat Bereshit, afin que le 50 serait aussi un dimanche. Comme ça, ils ont deux jours de fête consécutifs, Shabbat et Shavuot. Voilà la raison. D'accord? De ce qu'a dit le. Et là-bas, la Gemara l'a repoussé. D'accord? Avec des psuchim, on a prouvé que ce n'était pas comme ça. Et c'est pourquoi on a fait une fête lorsque Chachamim, ils ont vaincu. C'est clair? Et on ne fait pas non plus de espédim. Fin de la braïda. Maintenant qu'on a compris tout ça, la Gemara va essayer d'analyser les enseignements qu'on vient de voir. Avant ça, Tosfot, Meresh Irhad Nissan Wat Manyabe, Itokam Tmida, Piruj, Kedev Faresh Bengila Ta'anit, Sheyayu Abaytosim Omrim, Sheyahid Mitnadev Tamid, Mishum Dirtiv Ta'ase, Takev Sechat Ta'ase Baboker, Mishum Dirtiv Ta'ase, et Takev Sechat Baboker, Ta'ase Mashmayahid, Vadrelehu, et Korbanin Ahmir Eishat, Shmeru, l'Akhriv, la Chan Rabbi. Ce qu'on a dit tout à l'heure, même au nom de Rashi. Continue. Amar mor, je reprends la Gemara. Merish yarcha de Nissan ad maniabei tokam tmida de le mispad. Demande la Gemara, la mali merish yarcha. Pourquoi tu étais obligé de dire à partir de Rosh Chodesh Nissan? Puisque Rosh Chodesh Nissan lui-même, c'est un jour de Rosh Chodesh. D'accord, qu'on ne fait pas de Ta'ani. Oui. Qui s'appelle Moed. D'accord, comme on verra plus tard. Kara alay Moed. Alors, tu aurais dû dire à partir du 2, alors. Le Rosh Chodesh, c'est déjà Yom Tov. Pourquoi tu as dit du 1 au 8? Dis du 2 au 8. Voilà la question de la Kabbalah. La mali mereshercha, le mamitre benissan, le Rosh Chodesh goufe, Yom Tov, ou? Oui, assur. La question est claire. Amara, avlon isrecha, el ale sur yom shilefana. Non, quand je te dis le à partir du premier Nissan, ça me permet de t'interdire même la veille. La veille du premier Nissan, par exemple le 29 Adar, même celui-là, non. Donc, le premier Nissan, on l'a interdit. Par exemple, on l'a interdit, comme on l'a dit, de Espède. D'accord? Et bien, même la veille, c'est interdit Espède. D'accord? Alors, dis-le, Gmara, mais même ce jour-là, la veille, tu veux l'interdire, interdis-le en tant que veille de Rosh Chodesh, pas veille du premier Nissan. Veille de Rosh Chodesh Nissan, interdis-le. Mais je ne comprends pas bien. Vas-y. Je recommence. Je vois pas comment on a gagné le jour de Rosh Chodesh. Alors, je recommence, Agmara. L'Agmara, elle dit, pourquoi tu m'as dit du 1 au 8? Oui. Vous pouvez me dire du 2 au 8. Pourquoi? Parce que le 1, de toutes les manières, c'est un jour de fête. Exact. La Gemara a dit. Exact. Tu sais pourquoi je t'ai dit du 1 au 8? Parce que quand je te dis du 1 au 8, je vais t'interdire aussi le jour d'avant. On rappelle, dans la Mishnah, on a vu. Le jour d'avant, il est déjà interdit. Pourquoi? Le Khaftet Tadar, il est interdit. C'est interdit. Ben oui, parce qu'il y a Rosh Chodesh juste après. Oui, alors, une seconde. C'est bon. Donc, quand je t'interdis le 1, je vais t'interdire aussi le Khaftet, Adar. Bon, la Gemara, et alors? Mais même si quand je t'interdis le Shrodesh, je vais t'interdire aussi, comme le Shrodesh c'est un jour de Yom Tov, je vais t'interdire aussi le Khaftet.
Ada. Voilà. Pour la Gemara, Rosh Chodesh de Oraita ou Rosh Chodesh, c'est la Torah, comme on a dit tout à l'heure, Kara Alay Moed, oui. Ou de Oraita, l'eau bae Hizou. De Oraita, d'accord. De Oraita, Mamash. Parce que le mot de Oraita, je ne sais pas comment le comprendre. Si c'est de Oraita qui pchuto, c'est un peu dur à priori. Mais qui dans la Torah, ça c'est Kara Alay Moed, c'est un djinn qu'on a vu dans le Navi. Ok. Ou de Oraita, l'oba achizou. De Oraita, il n'y a pas besoin de le renforcer en interdisant même la veille. Et Tania, ayamim a'el aktuvim imgilat ta'anit, comme c'est marqué dans la Braïta. Par contre, le 1, comme c'est des rabanan, je vais t'interdire même la veille. D'accord? Alors, comme la Braïta nous dit, ayamim a'el aktuvim imgilat ta'anit, ifnem ou lachareem asurim. Les jours d'avant, les jours d'après, ils sont interdits. Shabbatot v'yamim tovi inen asurin ifnem ulaharem mutarim. Par contre, Shabbat v'yom tov, bien que eux, c'est interdit de jeûner, etc. Alors, avant et après, c'est autorisé. Maïfresh benzelazé. Quelle différence entre Shabbat v'yom tov et les yamim tovim de la Megillat Ta'anit? Alal ou divrei Torah? Le divrei Torah, c'est chim chizou. Alors, le divrei sofrim, c'est chim chizou. Cela, c'est des paroles de Torah, c'est des dinim de la Torah. D'accord, leur source est de la Torah. Donc, ils n'ont pas besoin d'être renforcés. Par contre, les autres, ils ont besoin d'être renforcés, étant donné qu'ils ne sont que des rabbanas. Pourquoi on entend même la veille? Juste, il y a une phrase à pourri ici qui est un peu, qui n'est pas claire. La phrase, elle est. Ayamim ha'el aktuvim b'mgilat ta'anit ifneem ou l'acharem asurim. Avant et après, c'est interdit. Pourquoi avant et après, c'est interdit? De deux choses d'une. Ou bien cette baraka c'est la vie aussi. Et on parle de espédim. Et quand tu as dit espéd, à part le jour J, c'est J plus 1, J moins 1, c'est interdit. Ça, c'est l'ifneem ou l'acharem. Ou bien, je n'ai pas forcément dit que c'est la vie aussi. Quand on dit l'ifneem ou l'acharem, ce n'est pas pour dire les uns et les autres. Parfois, on interdit avant, parfois, on interdit après. En fonction des chitotes, quoi, d'accord. Qu'on vient interdire, on peut venir interdire parfois avant, parfois après, en fonction des chitotes, d'accord. Eh bien, ce n'est vrai que pour ces jours-là. Mais Shabbat Yom Tov, on n'interdit rien d'autre que le jour J. Shabbat Yom Tov. Yisro Hag, on ne fait pas. Bon, est-ce qu'on interdit le jeûne, tu veux dire? Oui. Non, c'est interdit le jeûne. Je sais pas, je pose la question. Pas interdit le jeûne. Maintenant, il y a un autre ignan. L'Israël, on doit le faire. On doit. Michel, on sait, Issur la Hag, comme la maladie, la Sarima. Regarde, à la fin, je crois qu'on n'a pas dit ça. D'accord. Parce qu'on a vu ça. Sarim, moi, je ne me rappelle plus. Il y a un ignan de faire Issur la Hag. Un des Purushim, c'est de le faire avec des séroudotes. Mais il n'y a pas d'interdit de jeûner, a priori. D'accord. D'accord. Très bien. On s'arrête là? On s'arrête là. Allez, Baruch Adonai le'olam. Amen. Allez, à demain, Madame Hachem. Allez, à demain. Ciao.